Hello! Salut, Ipondaven, comment ça va? Alors, la question rituelle, est-ce que vous m'entendez? Également, est-ce que vous m'entendez moi? Parce que c'est ça va être important aussi. Voilà, est-ce que vous entendez Georges? Hello Popiette, comment ça va? Le son c'est bon? On entend Georges comme il faut? Top, cool, parfait. Magnifique. Tout marche. Je commence à être rodée, je commence à avoir un setup à peu près. Enfin, j'ai toujours mon lit, toujours. J'ai toujours mon hibou. Très important. Et des écouteurs pourris, et je suis désolée pour le son qui est tout pourri, mais ça viendra. Faut que je m'occupe de regarder les micros, mais j'y connais rien, donc il faut que je me renseigne. Et je suis toujours floue, car j'utilise mon téléphone. Oui, il est chouette. Hey. Encore, dis-toi que tu utilises un téléphone que tu as choisi spécifiquement pour son appareil photo. Imagine si tu avais un Ouais. truc plus nul. T'as Twitch sur la télé, les chats sur la paille. C'est vrai que c'est pas toujours ultra pratique. Moi aussi, je mets Twitch sur ma télé. Et après, je suis genre, non, mais je veux parler aussi. Et en général, le temps que je lance sur un autre truc, c'est trop tard. Mais oui, ça va. Alors. En plus, j'ai même pas le pire téléphone de l'univers. J'ai même un bon téléphone, mais je pense que le problème, c'est plutôt le soft que j'utilise pour le transformer en webcam, qui a un Je crois que débit ton pas foufou. soft aussi est limité au 480p. Oui, parce que j'ai la version gratuite. Je crois que c'est ça le problème. Mais franchement, ça va? Ah ouais? En fait, je me rends pas trop compte parce que moi, je suis sur OBS, j'ai tout en flou. Mais si tu dis que ça va, c'est cool. Il y a trop d'ISO? Bah, le problème, c'est que si je les règle maintenant, vous allez me perdre. Mais après, si je coupe, moi, je vois plus rien. Salut Prune! Comment ça Bonsoir Prune. va? Mais ouais, je pourrais peut-être changer sur le filtre que j'ai appliqué sur la webcam. Ça bruite car pas assez de lumière? Ouais, mais attends. Je peux essayer de mettre plus de lumière. Hop là. C'est mieux comme ça? Je me trouve très claire. Je me trouve très éclairée comme ça. Hâte de me voir coder? Bah écoute, moi aussi, parce que je sais pas faire. Ça va être marrant. Ah, mais je suis déjà sur la caméra du dos de mon téléphone. Mais je pense que vraiment le souci se situe au niveau du soft. Parce qu'en fait, il n'y a rien de branché. Et donc de 1, ça passe en Wi-Fi. Et en plus, j'ai la version gratos de Droidcam. Donc c'est pas foufou. Mais tout sera plus simple quand j'aurai une webcam. Blanche-neige. Oui, j'ai l'air. Alors que j'ai pris des couleurs en plus. Mais là, on ne le voit pas. Franchement, je suis un peu bronzée. Alors, on attend un petit peu que les gens arrivent. On est 14, on va peut-être pas trop tarder. Du coup, aujourd'hui, ça y est, je recommence avec les du coup. C'est terrible, c'est une malédiction. Avec une caméra RED, ça ira mieux, faudrait économiser un peu. Ouais, je sais pas ce que c'est, mais j'en déduis que ça coûte très cher. Je veux faire une cagnotte. Moi, ouais, c'est ça, je veux faire une cagnotte. Du coup, comme vous l'avez capté, même s'il est assez discret pour l'instant, nous avons un jauge avec nous. Oui, on l'entend à peu près. Si on l'entend pas, faites signe et je montrerai son son. Voilà, et si on m'entend trop, n'hésitez pas, elle le baissera.
Non, si on l'entend trop, vous lui dites de la fermer. Super ambiance. Mais Formidable. non, je plaisante. Je plaisante, je plaisante. Surtout pas. Surtout pas. Je suis pas contente que tu sois là avec moi. Super plaisir d'être là aussi. Le pauvre, il me rend service et moi je suis méchante. Ah ouais! Non, mais c'est pas une caméra. C'est pas une caméra à ce prix-là. C'est. Je monte le son de jauge. C'est plus une caméra, c'est une voiture. À peu près. J'ai monté un peu le son de jauge. Jauge, peux-tu faire un test? Joji. Georges, on t'entend plus. Georges? Attendez, je vais lui envoyer un message, parce que si on l'a perdu, on l'a perdu, c'est embêtant. Désolé, je suis de retour. Ah! Ah bah, toi, tu t'en vas au moment où on te demande de Désolé, parler. y a mon collègue qui vient d'arriver, je devais lui Oui. prévenir que je ne serais pas disponible pour les exactions de la soirée. Très bien, le pauvre. Tu lui passeras le bonjour. Bonjour. Et, du coup, c'est mieux pour le son de jauge? Tout va bien, on va dire que tout va bien. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de tester un format en pair programming parce que on va faire un truc que j'ai jamais fait et que quitte à ce que je galère, autant qu'on ait un peu d'aide sur le sujet. Et comme c'est écrit dans la description du stream, l'idée c'est de tester React Native. Je vais vous expliquer ce que c'est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Et un truc rigolo qu'ils appellent le bruit de perline ou de perlin. Mais je pense qu'on dit perline. Et on va commencer direct. Qu'on commence à être un petit nombre. Je vais changer l'ordi. Bon, ça va. Pour l'instant, vous pouvez avoir sous les yeux, j'ai encore rien à montrer. Je vais partir du principe que tout le monde connaît pas React, donc je vais faire très rapidement une petite présentation de ce que c'est. Au commencement était le HTML. Donc, en développement web, au départ, on mettait des briques pour faire un site. Une première brique, une première div, etc. Après, on a commencé à se dire, hey, ce serait vachement chouette si cette div, elle changeait de couleur au moment où j'appuie sur ce bouton-là. On a commencé à animer tout ça avec JavaScript. Mais on continuait globalement à construire nos pages en HTML. Et au bout d'un moment, quelqu'un s'est dit, mais en fait, pourquoi on s'embête? On pourrait tout construire depuis le JavaScript. On pourrait dire à JavaScript, c'est toi qui construis cette page, c'est toi qui construis les divs. Et l'avantage, c'est qu'on s'enlevait une couche qui était le HTML. Mais surtout, on utilisait pour faire nos pages un langage de programmation. Ça veut dire que je peux commencer à avoir des pages qui vont prendre des infos, par exemple. L'utilisateur a un nom X et ou, un nom, c'est pas forcément le meilleur critère, mais par exemple, sa couleur préférée, c'est le bleu. Alors, je vais lui servir une interface en bleu, des choses comme ça. Et du coup, partant de là, ils se sont dit, mais attendez, c'est super cool parce qu'on n'a plus besoin de mettre du HTML, on va tout faire sur JavaScript. Et en plus, JavaScript, non seulement il va pouvoir calculer des trucs, et on aime bien calculer des trucs, mais en plus, il va faire un truc vachement sympa, c'est qu'il. Voire abstraire le CSS, ouais, c'est aussi une couche qu'on peut virer. En fait, on peut tout virer avec JavaScript, c'est trop cool. Et donc, l'autre truc qui était bien pratique, c'est que pour faire ces changements, bah, l'avantage de JavaScript, quand vous faites des choses qui bougent dans votre page, ça n'avait pas besoin de tout recharger. Et avec React, il y a ce côté super pratique de. Je veux changer parce que j'ai dit si j'appuie sur ce bouton, toi tu changes de couleur ou toi tu vas afficher autre chose. On n'a plus besoin de tout rafraîchir. React va être assez malin pour savoir bah tiens, ce petit bout-là de ta page, je vais te le changer. C'est l'idée très large. Et c'est globalement comme ça qu'on fait du front depuis presque 10 ans maintenant.
Ensuite, deux petites choses à savoir pour comprendre un peu le React qu'on va faire ce soir, si vous en avez jamais fait, c'est que déjà React a une logique de composants. Donc on va pas écrire une grande page et voici la grande page. On va construire des petits blocs qui vont s'imbriquer les uns dans les autres. Donc chaque composant a pour responsabilité de rendre quelque chose sur la page. On peut dire on va avoir un composant par exemple navbar. Son boulot, ça va être d'afficher dans la page le HTML qui correspondra à une navbar. Et il aura une notion de state qui en fait une valeur qu'on va pouvoir faire changer. Et ce qui est intéressant, c'est que ces composants, vous pouvez vous dire qu'il y a des petits composants qui vont écouter la valeur. Et quand la valeur change, ils vont se remettre à jour. Ce que je vous disais, quand l'avantage du React, c'est que ça permet de remplacer une partie de la page de façon super fluide. C'est peut-être super abstrait pour l'instant, mais ça va devenir vachement plus clair. Donc avec React, on fait du web. Nous, ce qu'on va regarder, c'est les React natifs pour faire des apps. Le problème des apps mobiles, c'est que il y a iOS et il y a Android. Ils sont pas mis d'accord. Ils n'ont pas voulu. C'était trop simple. Voilà. Du coup, chacun a son langage de programmation. Chacun a ses contrats. Hello, Yannick. Yannick Souze. En tout cas, bonsoir. Un jour, j'apprends à prononcer les pseudos. Tu arrives au début de la présentation de qu'est-ce que c'est que React, pourquoi on l'utilise et pourquoi React natif. Donc, je disais iOS, Android, on va oublier Microsoft, hein, ça n'existe pas. Et du coup, il y a des gens très malins chez Facebook, puisque React vient de là-bas, qui se sont dit ce serait quand même vachement plus facile d'avoir un seul langage, on fait tout et nous on s'occupe de compiler. Pour qui de droit? Et toi, le développeur ou la développeuse, tu n'as pas à t'en soucier. Voilà, c'est l'idée. Donc, moi, j'ai dit sur le papier, ça m'économise d'apprendre deux autres trucs. J'achète. Alors, ça se prononce Comeuse, mais avec un S. Ok. Sonic Sous. Parfait. Sous. Pardon. Et puis bon, aussi globalement faire des apps c'est cool, donc je me suis dit banco, j'ai envie d'essayer ça. Et Josh a eu la gentillesse de proposer de m'aider à faire ceci. Et donc, sans plus J'y arrive, attendre, hein, évidemment. mais oui, tu vas y arriver parce que tu es très intelligent. Ah. Voilà. Hop. Je ne sais pas trop si dans les gens qui sont là, s'il y a déjà des gens qui font du mobile et qui sauront nous aider. Ou si on va tous galérer. Parce qu'on va tous galérer. Je pense que ce silence dit qu'on va galérer. Donc, sans plus attendre, je vais passer. Oui, on sait que tu es comptable, tu comptes les divs, c'est bien connu. Hop. Hop là. Donc, pour l'instant, en termes de setup, j'ai simplement utilisé. On va galérer. Ouais, non, mais c'est pas grave, ça va être marrant. C'est vachement plus rigolo. Sinon, si c'était un cours magistral où je savais tout faire, en fait, vous iriez sur YouTube. Alors, comme pour React, il y a un petit truc trop cool qui s'appelle Create React Native App. Donc, il y a juste à le lancer et je me retrouve avec quelque chose qui peut tourner tout seul. Donc pour l'instant, il n'y a rien, comme vous pouvez le voir. Il y a ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien.
Voilà. Donc ça a créé un paquet de trucs. Il y a des spécificités pour iOS et Android parce que malgré tous les bons efforts de React Native, il y a quand même des choses qui sont pas compatibles parce que sinon ce serait trop beau. Mais notre point de départ, ça va être app.js. Pour l'instant, il y a Peanuts dedans. Ça dit ça. Et je vous propose un peu de tester les différents petits bouts qui font qu'on va réussir à afficher des trucs. Pour l'instant, moi, j'ai parcouru le début de la doc. Je suis pas allée très très loin. Donc, on va voir ce que ça donne. On peut. Alors, déjà, je vois des trucs, je sais pas à quoi ils servent, j'ai un peu envie de les enlever. Josh, ça te parle ça? Là, pour l'instant, non, mais je pense que si tu l'enlèves, effectivement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis pour l'instant. Ouais, on enlève des trucs. Et il est là. Ok. Donc, Je pense que ça vaut le coup, du coup, de montrer effectivement que la preview évolue directement sur le simulateur, suite à tes Bah, changements. je suis pas sûre que pour l'instant elle ait fait grand-chose parce que je voyais déjà pas le composant. Je me demande si c'est pas quelque chose pour lié à Expo, c'est le truc qui fait tourner la démo. Mais je peux tout simplement commencer par changer ça et vous allez voir que ça se rafraîchit. Parce que sinon on serait. Comment je fais? Ouais. Tac, tac. Et voilà. Donc ça, tout va bien, ça se rafraîchit, ça tourne. C'était pas le cas quand je l'ai lancé hier soir. J'ai eu très très peur. J'ai moult galéré. Bon, si on décompose un peu le truc, on importe React parce que React Native tourne quand même sur du React. Et ensuite, on prend un paquet de composants de React Native. Donc de ce que j'ai compris, React Native, c'est tout un tas de briques déjà toutes faites, bien pratiques, où on va pouvoir imbriquer les unes dans les autres. Bien entendu, il n'y a pas tout, donc il faut parfois utiliser des librairies, il faut parfois créer ses propres native components ou native modules. Mais pour l'instant, on va s'en tenir à ce qui est fourni et ce sera un début. Status bar, ça gère la couleur au-dessus de l'app, sous les icônes, batterie, heure, etc. Ah, fallait peut-être pas l'enlever alors. Reprends normal. On va pas en Non, avoir on s'en besoin fout. pour l'instant, On quoi qu'il s'en arrive. fout. Ok. Mais en plus, j'utilise pas d'iPhone, donc ça me parle pas du tout. Je sais pas du tout ce que c'est comme barre sous. Ah si, ok, si, je vois. Je crois que je vois. J'ai des vagues souvenirs de quand j'avais un iPhone il y a très longtemps. Qu'est-ce qu'on peut tester? Qu'est-ce qu'on peut tester dans la petite vue? Déjà un truc qui, en tant que développeuse web, m'a très fort perturbée, c'est que je ne peux pas écrire coucou. Premier truc que je fais moi à chaque fois que je code un truc, c'est de mettre coucou. Et visiblement en mobile, ça ne se fait pas. Un bouton qui incrémente un compteur. On peut faire ça. On peut faire ça, tout à fait. Sinon, je peux commencer direct sur mon petit jeu avec les boutons. Je voulais juste faire des petits tests sur les vues et les scroll views, juste pour montrer un truc. Tout d'abord, si jamais j'avais des divs super grandes, on va dire par exemple des images. Donc, ça, ils sont assez cool. Ils ont un composant image, c'est sympa. Ils nous ont quand même fait des noms pour qu'on s'en tire pas trop mal. Oui, ouais, c'était pas du tout instinctif pour moi de wrapper les trucs dans une base text, mais ce qui en fait sens, c'est juste qu'on a la liberté de ne pas wrapper les trucs dans des balises quand on fait du web, mais en vrai, on peut pas trop leur en vouloir
d'essayer de faire de nous de bons développeurs qui font des choses bien rangées. Donc, ceux qui connaissent le dev web, ça va leur rappeler un truc. Donc, normalement, on fait une belle liste IMG comme ça et on va lui filer une source. Et en gros, ici, on va lui dire généralement une URL. React Native, ils sont pas trop emmerdés. On fait à peu près pareil, mais pas pareil, parce qu'il faut pas que ce soit trop facile. Donc, on lui file source, écrit de toutes lettres. Et là, je vais lui filer. Attendez, j'ai préparé quelques petites images. Hop. Importe. Walrus. Car oui, il me fallait des animaux. Paf. Donc, si je lui file Walrus, est-ce que ça va fonctionner? Ouais! Donc là, ça va, hein, parce que notre Walrus, il est pas trop grand. Je pense que ça peut partir sur l'App Store direct, hein. Moi, je paye 10 balles pour cette application. Au moins, au moins. Non, mais en plus, on dirait qu'il a un petit chapeau. Trop mignon. Il m'en faut tellement peu. Mais bon, je vais mettre plusieurs Walrus et vous allez voir très vite le souci par rapport à du web. Mince, attendez. Mon curseur. Là, bon, vous ne vous rendez pas compte, j'essaye désespérément de scroller. Il n'y a rien qui bouge. D'ailleurs, on voit que mon petit tada là, mon petit texte, il s'est fait la malle. Une des spécificités quand on fait du React Natif par rapport à du dev, c'est qu'il se calcule par rapport à la taille du mobile. Alors que dans un browser, tu sais que si tu mets trop de trucs, bah, ça scrolle et on n'en parle plus. C'est le comportement par défaut. Ici, pas du tout. Ici, j'ai décidé, ça, c'est ma taille. C'est comme ça, c'est rangé. Mais heureusement, il y a un autre composant qu'on peut utiliser pour ça, et c'est jauge. Ben, instinctivement, comme un genre de view, mais qui serait davantage scrollable, comme une genre Ouais. de scrollable view. Alors, presque, c'est le scroll view. Ah, j'étais pas loin. Ouais, c'est scrollable aussi, ça sonnait, je trouvais que ça sonnait bien. Mais ils l'ont appelé juste scroll view. Hello Zaras, eh oui, du JS. Mon corps est toujours du JS parce que c'est quand même vachement facile à setup pour faire une démo. C'est pas la seule raison. Bien le JS. Du coup, si on en revient, pourquoi il est pas content? J'ai fait une bêtise? Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? C'était pas scroll view? Il n'est pas content parce qu'il n'aime pas, je pense, le style de l'ancienne view. Vous savez quoi? On va pas tout casser. On va mettre la scroll view à l'intérieur. Parce qu'on a le droit de nester les trucs. Parce qu'il manquerait plus que ça quand même. Pif, paf, pouf. Est-ce qu'il est plus content? Oublie pas de Ah oui, non, réimporter la j'ai vue. fait. Bien vu. C'est bien vu. Il n'y a pas moyen de tout importer d'un coup. Faire un truc genre une porte étoile comme React Native. Non, ce serait moche. But also. Hello, Zaras, j'aime beaucoup que mon surnom ce soit Vélo Rose. Ça me va. J'ai fait des petites pointes de vitesse ce midi. C'était. Oh là là, oh là là. Un jour, je vais écraser quelqu'un. Ouais, non, attendez, j'ai fait nimp, je crois. Si, regardez, maintenant ça scrolle. C'est formidable. Ça scrolle même un petit peu verticalement, ce qui m'est horizontalement, ce qui m'étonne. Est-ce que c'est parce que mes images sont trop larges ou est-ce que c'est le comportement par défaut qui permet un peu de tirer sur les côtés? Je n'ai pas d'avis. Pour le coup, je saurais pas te dire, hein, si je Pourquoi? découvre React Native autant que toi. Quoi? T'as pas Oui. 10 ans d'expérience en React Natif? Eh Non, non. mens-tu? Mens-tu? Mais Tu mens. effectivement, comme dirait Zaras, effectivement, je pense que un width 100% sur les images pourrait probablement régler
Ouais, bah en fait, je me demandais si, dans la mesure où la nuque, enfin la view, te limite verticalement, je me demandais s'il n'y avait pas aussi une limite horizontale, puisque tu n'es jamais censé avoir du scroll horizontal sur ton app, tant que tu ne l'as pas spécifié. Tiens, d'ailleurs, vous savez quoi? On va faire du scroll horizontal, parce qu'on s'en fout des conventions. Alors. Ouais, mais donc on est d'accord que c'était le comportement pas défaut, c'est pas juste parce que l'image était trop grande. Là, ok, non, bon, ok, celle-ci. Donc apparemment, ouais, on peut décider comme ça aussi. Très bien. On sait jamais, ça pourrait permettre d'implémenter des carrousels de petits morses. Wouh! J'aime beaucoup le simulateur d'iPhone. Il est trop mignon. Ok. Donc, maintenant qu'on sait scroller, qu'est-ce qu'on fait d'autre sur un téléphone? On presse des trucs, non? On touche des trucs. Non. C'est Si? une idée, effectivement. C'était une super bonne idée d'ajouter les écrans tactiles sur les téléphones il y a quelques années. Franchement, c'était pas mal. Après, le 3310, c'était cool. Mais t'as pas connu, toi, t'es trop jeune. Mais calme-toi. Je suis pas venu là pour me faire insulter. C'est vrai ou pas? C'est quoi ton premier téléphone? C'était un LG Chocolate dégueulasse. Je me souviens plus. C'était ceux qui se slidaient comme ça Ils slidaient tous un peu de cette façon-là, mais oui, globalement, c'était ça. là? Non, ils slidaient. Ah, Non, non, oui, ils non, slidaient comme ça à non, mon époque. ils slidaient pas tous comme ça. Au début, ils étaient d'un bloc. Avec des espèces de touches en caoutchouc. Dégueulasse. On apprend Ton avec Native enfance. ou on me rappelle que je suis né en 94? Stream de boomer. Oui. Laissez-moi être nostalgique de mon 3330, s'il vous plaît. Tout ça pour dire que on vient nos scrollable view. On vient nos scrollable view. Alors, j'ai vu qu'il y avait plein de trucs d'interaction qui sont pas ultra clairs pour moi. J'ai vu qu'il y avait des boutons, ce qui me parle, j'aime bien. Et après, j'ai vu des trucs bizarres avec des noms qui commencent par touchable. Touchable highlight et touchable opacity. Et j'ai pas bien compris la diff. Donc, je propose qu'on mette tout ça et qu'on voit ce que ça rend. Salut, super touche! Bienvenue chez les boomers et les autres. This flat comme view a l'air pratique aussi. Est-ce que c'est pas plutôt Flatlist dont tu parles? Enfin, je connais Flatlist, mais je connais pas. Oui, alors, je vais lire le chat. Donc, Touchable Opacity, c'est le style actif qui est réduit et qui a une opacité réduite, et highlight, c'est le fond qui s'highlight quand il est actif. Je pratique également le booming en amateur. Mais fais gaffe à pas trop de booming parce que après il faut une licence en fait, si tu veux commencer à faire du booming de niveau professionnel ou semi-pro, tu vois. Pardon, n'importe quoi. Ouais, Flatlist. Ok, on peut parler rapidos de Flatlist avant. Si j'ai bien tout compris, donc Flatlist, ça va aussi nous permettre de scroller des trucs. La différence va être dans la façon de charger les éléments. Donc, permis monte-escalier. Quoi? Le 5140 étanche. Waouh. Ah, les téléphones à antenne. Mon Dieu. Comment on est arrivé là?
Alors, pardon, je me suis fait complètement sidetrack par le chat. Si j'ai bien compris, on peut tester les flatlists. La flatlist, contrairement à la scrollable view, elle va changer sur la façon de charger les éléments, c'est-à-dire que tout ne va pas être chargé en même temps. Je ne sais pas si on va voir la diff, mais on va essayer. On va essayer, on va remettre notre voile russe, nos voiles russes. Hop là. Pouf, pouf. Peut-être qu'on peut les différencier. Non, on va pas besoin de les différencier. Sinon, je leur ai mis une petite colorimétrie. Et décidément, je vais pas m'y faire au fait d'importer les trucs. D'ailleurs, cet import qui est sur une seule ligne, ça m'énerve. Oui, bonjour, ici développeuse maniaque. Est-ce que je t'ai déjà parlé de Pretty hier? Bah ouais, mais je l'ai installé, mais je comprends rien à VS Code et je sais pas configurer VS Code. Je suis une On victime. verra ça, on verra ça une autre fois. Je suis une victime. Alors, petit instant de promotion. Pour apprendre comment marchent les flatlists et virtualize list, n'hésitez pas à venir jeudi sur le Twitch de Bloody Hole, qui va expliquer ça de façon beaucoup plus convaincante que moi, puisque lui, pour le coup, il sait de quoi il parle. Moi, je bouge des trucs sur un écran. Je crois que c'est à 20h30, si je dis pas de bêtises. Moi, je pourrais pas être là, parce que j'ai un truc avec le boulot, malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'il nous envoie? Hyponaven nous envoie Safari View. Flatlist data. Ah oui, c'est ça, c'est que le. D'accord, oui, je me souviens. Les flatlists, il faut leur filer une collection d'objets et après, ils se démerdent. Et une méthode render. C'est ça. Je pense que Georges, il est d'accord. Écoute, moi, encore une fois, comme je te l'ai dit précédemment, moi, tant que toi, c'est la première fois que j'entends parler de flatlist. Très bien. Bah moi, je vais faire confiance aux gens dans le chat. Voilà, c'est moi, je suis là maintenant. Moi, je suis pas loin d'être là juste pour le support moral, hein. C'est faux. C'est complètement faux. Tu dois m'expliquer ce que c'est que le bruit de Perlin. Alors, si on dit qu'on a coucou, hello et miaou. Les trois langages diplomatiques, c'est connu. C'est comme ça qu'on parle à l'ONU. Pif, paf, pouf. J'imagine que le render, je fais ça au pif. J'imagine que le render, ça va être une méthode qui va peut-être faire un truc comme ça. Prendre un élément. Je suis en train d'improviser du code. Bonsoir, bisounours. Tu arrives à temps pour me voir essayer d'inventer des trucs. Ça n'a pas l'air. Elle dit quoi, elle te dit quoi l'erreur? Elle me dit qu'il lui manque des keys. Bon, je veux bien lui mettre des keys, hein, mais. Il faut décomposer la. D'accord. Pourquoi je m'emmerde à prévoir des trucs pour le stream alors que finalement je vais complètement improviser et faire autre chose, hein, après tout. Ok, donc ça s'appelle item. Il veut une petite key. On va l'appeler item aussi. Alors là, je peux pas expliquer parce que moi-même, je ne sais pas ce que je fais. Ça n'affiche pas grand-chose dans notre histoire. Alors effectivement, il y avait Impondaven qui disait qu'il fallait mettre une Safe Area View et je me demande si ton texte n'est pas en train de passer sous le notch de l'iPhone. En fait, la Safe Area View en fait, va te permettre effectivement de dire Ok, ça me que va. le qu'il faut éviter d'afficher les trucs sous le notch, puisqu'il n'y a pas d'écran à cet endroit-là Sous et le que quoi? le notch, le trou dans l'écran sur l'iPhone. Le notch?
Le notch, le truc qui est en haut de Oui. l'écran? Ah, mais je ne sais pas, je ne sais pas. D'accord. Je n'ai pas d'iPhone et je n'ai pas non plus de compétences en développement mobile. Je suis désolée. Je suis désolée. Ça ne marche pas du tout. Missing key for item. Pourtant, ils sont là. Hello Simon, comment ça va? La noche, c'est ça? On va faire la bamba tutta la noche. Nous sommes newbies. Et ben, en fait, on va. Écoute, moi, je suis en train de galérer parce que j'avais prévu des trucs et puis finalement, on fait autre chose. Du coup, je suis. Ouais, enfin, Zara, j'ai parié ma carrière sur 2 mois de formation. En attendant, je suis une excellente développeuse web. À n'en pas douter. Je fais très très bien mon métier. Ce n'est juste absolument pas mon métier. Donc je découvre. Et de toute façon, ce qu'on va faire, plutôt que d'essayer comme des gogoles de... Pardon, je devrais pas dire ça. Je suis navrée. Plutôt que d'essayer de trouver au pif, on va lire la doc. Hop là, c'est parti. On a dit qu'on était sur des flatlists. Donc, comment que ça s'écrit? Donc. D'accord. Ok. Nous avons juste un problème de naming, je pense, de nos. Attendez, je reviens. Hop, paf. Je pense qu'on a juste un souci. C'est pas render, c'est render item. Item ou items? Je sais plus. Render item. Encore une fois. Can't find variable text parce que je ne l'ai pas importé. Je vais les laisser là. Je vais arrêter de les enlever. Et là, ça fonctionne. Encore une fois, nous avons prouvé la supériorité de la documentation. Voilà. Une leçon à prendre de ce moment. N'improvisez pas le code. N'essayez pas de deviner les noms des props au pire. Voilà. Bon. Effectivement, du coup, par rapport à une scroll view qui va juste définir à la façon d'une div qu'on est sur un espace scrollable, la flatlist, elle prend une collection et elle rend chaque élément avec une méthode qu'on va lui filer. Donc, c'est un très bon exemple de composition avec des components React. Voilà, c'est bon, c'est le moment de faire passer l'app pour une œuvre d'art contemporaine et se faire un max de blé. Alors, autant je suis méga chaude hein, pour le max de blé, autant sur ce point-là, je suis pas sûre d'être capable de le vendre. Non. Très bien. Qu'est-ce qu'on faisait avant de faire jouer avec des flatviews? Déclarer ses composants en haut, c'est pas si différent que de l'Android Studio en vrai. Je n'ai pas fait d'Android Studio. Après, le fait d'avoir des imports en haut d'un fichier, c'est quand même quelque chose d'assez classique en JS. En tout cas, des quelques frameworks que j'ai pu voir, parce que je sais pas ce que t'en penses, Josh, mais je sais qu'on fait pareil et en Angular et en Vue. J'ai cru comprendre qu'effectivement, ça reste un truc qu'on fait. J'ai l'impression que c'est un peu la convention universelle, même en C, où le premier truc que tu fais, c'est importer la standard lib tout en haut de ton fichier. Alors moi, je suis une privilégiée, je fais du Ruby, enfin je fais du Rails, donc je n'importe rien. C'est une des spécificités de Rails qui fait que c'est cool, c'est que y a rien à importer et Rails charge tout comme il faut au lancement de l'app. Donc c'était assez nouveau pour moi de savoir qu'il fallait importer des trucs et je l'ai assez mal pris. En restrict, il n'y a pas d'import. Oh, un petit peu de lobbying dans le chat. Oh là là. Import all the things.
Chaque module, ah oui, c'est vrai, tu avais dit ça, que chaque module avait un nom et que du coup, il n'y avait pas de souci. Ça se tient. Ça se tient. C'est vrai que si c'est juste une histoire de naming, pour les imports. Et hop. Ouais. Effectivement, je pense que c'est à peu près la même logique en Rails qui construit l'arbre des classes et des modules au chargement et après, a priori, tu sais où c'est où c'est et puis si tu as donné le même nom, eh bien, tu te démerdes. Eh bien, ça ne marche pas et tu apprends à nommer tes classes correctement. Donc, ça va te raconter n'importe quoi. Très bien. Pour rester avec Joseph, ArrayView, même si on ne sait pas trop ce qu'il fait. Et on va repartir avec donc un bouton. Si j'ai bien compris, même pour un bouton, il faut mettre un texte à l'intérieur. Je suis un bouton. Bouton. Un button. Un button. Ensuite, Là, voilà. Benjamin. Exactement. Highlighted. Highlight. Highlight. Ah oui, non, c'est touchable. Highlight. Paf. Je suis en TH, puisque je suis toujours aussi flemmarde. Oh, il m'a pas fait la complétion de. Les balises. Le vilain. Okay. Et du coup, le touchable opacity. Alors, pour l'instant, ils vont faire strictement rien. Mais c'est pas bien grave. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah, cool! Donc, le bouton doit avoir un titre. Très bien. Qu'est-ce que ça donne? D'accord, donc le bouton, il n'en a rien à faire de mon texte. Ça, c'est fait. Oh, c'est joli. Oh, j'aime bien cette petite animation. Là, il se passe rien. Et là, il disparaît. Je crois qu'il se passe rien parce qu'il n'a pas de background. Ok, pas de texte pour le bouton. Très bien. Après, j'imagine qu'en termes de comportement, on va être sur à peu près la même chose. Lui, pour qu'on voit bien ce qui se passe, je vais lui mettre un petit background. Comme ça, vous allez mieux voir l'animation. On va mettre du background sur les deux. On va dire que background color. Je crois qu'il va falloir que tu fasses un stylesheet.create pour ça. Je suis pas sûr que tu puisses directement passer du style comme ça. Ça, c'est le bruit de la Zoé qui n'a pas envie de faire quelque chose. Non, mais le chat vient de me prouver que Ha! j'avais complètement tort Ha! et que je. Ha! Voilà. Tout le monde s'est lié pour te le dire. Bah, après, de toute façon, le stylesheet.create, enfin, le style, c'est toujours qu'un gros objet juste un petit peu mieux rangé. Hein. Je ne sais même pas vraiment concrètement à quoi sert le. Stylesheet.create, il doit permettre de faire d'autres trucs. Puis j'imagine qu'avec un peu de chance, il doit pouvoir prendre des props. Stylesheet.create est un loop. C'est quoi un loop? Un Ah, un no up. Je sais pas non plus ce que c'est. C'est un mot Ah, que j'ai d'accord, déjà entendu. Un quoi? donc Mathias, en fait, donc le stylesheet.create, en fait, il est vraiment juste là pour avoir une API commune entre RN et RNW. D'accord. Et du Donc, coup, une no-op, c'est une fonction qui ne fait rien. d'accord. Très bien. En gros. Ok. Donc, je sais pas si vous voyez parce que c'est tout petit petit. On voit pas trop ce qui passe quand on clique. Je crois que c'était le background qui devait s'éclaircir. Normalement, il fonce quand on clique dessus. Bon, c'est pas très important. Est-ce que j'insiste?
pour voir s'il y a faut une que, différence ou est-ce il qu'on faut que fait tu lui comme tout? il faut que tu lui rajoutes en fait une prop Active Opacity et une Underlay Color. Alors, ok, bon ça je vais le faire, on va le faire ici. Donc le touchable highlights, tu m'as dit, il faut que je lui file quoi? L'active opacity, qui va être un nombre entre 0 et 1. Il le définit pas par défaut ça? Manifestement pas. Non, c'est pas un style, c'est vraiment les props de D'accord, Touchable ok. Très bien. Je pensais que ce serait quelque chose qu'il aurait défini tout seul comme un grand. Highlight. Faut le prendre par la main. Franchement, je suis pas payée assez cher. Hein. Ah oui, ça va, je suis pas payée. Parce que j'aime bien faire ça. J'ai des problèmes. Alors, tu m'as dit. Active Opacity Et je entre peux le 0 et mettre 1, quoi? donc 0, ouais, 2, 3, 5. Ouais. Et un autre truc? Underlay color. Comme overlay color, mais underlay. Du coup, et là, du coup, je peux enlever mon style. Et je pense que tu peux enlever ton style, effectivement. Ça marche pas. Peut-être qu'il comprend pas, peut-être qu'il comprend pas le Rebecca Purple comme ça. Je crois qu'il faut. Essaye avec dièse 3 3 6 6 9 9. Ok. Alors, dièse 3, 3, 6, 6, 9, 9. Je peux pas écrire 3, 6, 9. Il comprend pas. Si, si, tu peux. Ne marche pas. Non, eh bien. Peut-être qu'il a besoin d'avoir une un callback du coup. Peut-être, peut-être. Et ça c'est du coup c'est on press. Doit être un float. Ah, makes sense. Ah oui, oui c'est un. Mais effectivement, ce serait pas arrivé avec le script. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il essaie de nous transmettre un message. Je suis Bah pas écoute, bien sûr quoi. il passe. On dirait qu'il a des actions chez le script. Je crois qu'il en a. Je suis absolument pas étonnée. Bloody hole, j'aime bien apprendre des technologies, mais j'aime encore mieux apprendre des technologies qui m'aident à avoir un métier. Pas des technologies utilisées par 5 personnes. Ah, effectivement, c'était le callback qui lui manquait. Donc, la différence, c'est que. Donc, ça, c'est un bouton. Il fait moins de trucs. Il a un style imposé. Lui, quand on clique, il devient foncé. Et lui, quand on clique, il devient plus clair. Bon, très bien. On a beaucoup trop galéré pour faire ceci. Donc, pour ceux qui ont suivi jusqu'ici, on a utilisé on press, donc qui serait en l'équivalent de un on click sur du web mobile. Mais si vous avez déjà utilisé un téléphone, vous savez qu'on fait autre chose que des on press. Sur un téléphone, on peut faire des longues presses et on peut faire des trucs différents selon qu'on fait un long press ou un press normal. Du coup, ceux qui vous avez peut-être déjà capté où je voulais en venir. Hé. Parce que si j'ai mis un walrus. Si j'ai mis un morse et que je vous dis
Et avec un bouton, on peut faire des touches courts et des touches longs. On peut faire un générateur de Morse. Voilà. J'étais contente de mon idée quand je l'ai eue. Ah, ouais, je sais. On peut pas. C'est pas facile de trouver des idées pour des démos. Hein, alors. Par contre, je parle pas couramment le walrus, ni le russe. Donc, ce que je vous propose, c'est le chat est jaloux. Vous entendez le chat? Oui, le chat est jaloux. Le chat demande de l'attention. C'est l'heure où le chat demande de l'attention. Attention et des croquettes. Ouais, elle a eu des croquettes. Elle a eu des croquettes. Bon, alors juste de l'attention. Non, non, c'est l'heure où. Mais c'est inadmissible. On ne s'occupe pas de moi. Sachant que j'étais là toute la journée et qu'on n'a rien à faire de moi. Donc, ce qu'on va faire, on va un petit peu utiliser le state. On va vouloir avoir deux. On va avoir un bouton. Et selon comment on presse, on va afficher des messages en morse. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire ça? Il va nous falloir un state pour stocker notre message. Une div pour afficher le résultat et mettre un peu d'intelligence sur notre bouton. Ça te paraît bien? Moi, ça m'a l'air nickel. C'est bien aimable. Du coup, nous allons utiliser ce petit hook de React. Si vous ne connaissez pas React, dites-vous juste que ça va nous permettre de créer une variable et la méthode qui permet de mettre à jour cette variable. Et que quand elle change, l'application, elle se met à jour. Notamment. Mais j'ai l'impression que dans le chat, les gens connaissent bien mieux le sujet que moi. Donc, hop. Hop. On va faire un arrêt. Vous êtes toujours là? Oui, je vous ai perdu avec mes conneries de Morse. Cool, top. Alors, si j'ai bien retenu, chez eux, l'équivalent d'une div, ça va être un truc comme ça. Et on va. On pourrait même utiliser une flatlist, non? Si on doit afficher chaque élément, qu'est-ce que vous en dites? Sinon, moi, j'allais faire. Attendez. Est-ce que la flatlist va pas afficher tes Bien points et sûr. tes traits en colonne? La view aussi. La view aussi, en fait, par défaut. Non, attends. En colonne ou en ligne? En colonne. Bah. Enfin, la flatlist, elle va afficher ton truc en colonne, comme on a vu tout à l'heure. Oui, mais la vue aussi. Oui, mais ce La que je veux vue. dire, c'est que c'est en Oui. fait ce que tu qu'est-ce que si tu passes tu veux passer ton arrêt du coup dans Ouais. Je voulais faire un truc. Faire mon Morse code et mapper dessus. Et si c'est un point, mettre un point. Si c'est une ligne, mettre une ligne. du coup j'aurais fait un juste un arrêt point join sur et l'afficher dans un texte. Ouais, mais en fait, je veux mettre des images. D'accord. Bon, alors effectivement, si tu veux mettre des images. Non, attends, on va peut-être. En fait, je suis peut-être en train d'aller un peu trop vite. On devrait peut-être déjà faire notre code. Donc, au début, on a un array vide et on va le remplir. On peut commencer par simplement afficher le résultat et après on fera des trucs. Je peux aussi utiliser horizontal dans la flatlist. Cool. On va commencer par juste afficher le texte et on verra après pour en faire un truc un petit peu plus sympa. Et on va effectivement juste le join. On va le join. Très bien. Fantastics. Django text. Et par des views dans des views. Et effectivement, il faut que ce soit du texte. Sinon, il va encore me gronder.
Pif, paf, pouf. Vous n'avez rien vu. Make it work, make it fast. Oui, peut-être. Je te crois. Alors, ça fait quel bruit en morse? Je ne ferai pas ce bruit-là au micro. Tu ne me piégeras pas comme ça. Est-ce que quelqu'un peut me dire le bruit du morse? Parce que j'avais envie de dire onk, mais je crois que c'est plutôt le cochon. Mais en même temps, c'est un peu un cochon des mers, donc ce serait un splash onk. Non, non, arrêtez-moi quand je dis de la merde. Je propose qu'on parte sur Splonk, du coup. Splonk? Parce que Allez, on splash va voir. onk. Onk. Bah, du coup, Pense que. splash onk. Voilà. Avec ce Magnifique. nombre exact, j'ai pas envie de compter. Hop là, donc on a dit. Donc on press, c'est notre touch court. Donc on press, on va vouloir ajouter dans le state un dot. Miaou. Cachemire est d'accord. Donc 7 morse, non, 7 morse code, paf, paf, paf. On prend le morse code et on rajoute à la fin dot. Hop là. On va pas chercher midi à 14h. Est-ce qu'il pourrait s'enlever le truc d'indication? Merci. Et en langue presse, on va mettre une ligne. On peut déjà regarder quelle tronche ça a. Donc, si on sponk, dot, line, dot, line, line. Nice. Ok. Maintenant, ça ressemble pas à du morse, ça ressemble à des mots. Avec ce nom de caractère, c'est l'Académie française. Très bien. Je n'en doute pas. Ça a changé l'Académie française, dis donc. Le chat, voyons. Je ne te permets pas. Donc moi, j'étais partie sur une view. Et dire que sur chacun de mes éléments du morse code, donc on va mapper sur le morse code, on va faire code et on va dire code égal dot. Dans ce cas, on va mettre une image. Tout. Il y a un peu trop de suggestions dans VS Code. Miaou. Et on dit que notre source, ça va être. Mince, je fais des bêtises. Tac, tac, require. Point. Je pourrais faire des trucs plus optimisés, mais on va s'arrêter là. Ah! Pif, paf, pouf. On n'a pas besoin de ça. Et sinon, c'est une ligne. Prettier, range-moi tout ça. Et du coup, on a l'idée, mais c'est moche. Donc, si on tente avec l'horizontale. Ça ne marche pas parce qu'horizontal c'est sur le scroll view. Ben on va mettre du style. Alors, oublie pas les keys. Effectivement, si je map, il me faut des keys. Je crois que je peux lui dire. Je sais pas si ça marche en JavaScript de faire ça. Il y a pas de raison. Pas de raison. Pas de raison que ça marche pas. Bah, je sais pas. Hein. Je sais que ça marche. Ça marcherait pas en Ruby, par exemple. Il faudrait que j'utilise Utiliser un un autre autre langage. itérateur. Non, bah non. Mais par contre, si tu veux, en Ruby, il va falloir que je lui précise que je veux mapper avec un index. Bon, bah, si ça marche, c'est formidable. J'ai juste rajouté mon style, histoire que ce soit joli. Bah, view. Que visiblement
On réinvente pas la roue. Ah! Oh! Paf. On va le dire. Flex direction. Colonne. Et est-ce qu'il comprend si je lui donne un petit gap de 5? Oh, un chat! Attention, attaque du chat! Hop, hop, hop. Voilà, c'est passé. A priori, il comprend pas gap. Et je Gap. pense que tu voulais mettre roi ou à la place de colonne. Ouais, bien vu. Donc, il prend pas gap. Il manque. C'est quoi? C'est gap ro? Ro gap? Je sais jamais. Non plus. Après, c'est peut-être juste un truc qui est pas. Enfin, c'est peut-être simplement pas supporté. Gap. Flex gap? Tu tends des trucs au pif là ou tu dis ça de source sûre? C'est pas très grave. Les trucs au pire, au pif. Très bien. Bon bah, on va dire que c'est à peu près ça. Ça manque un chouille de margin. On va en mettre rapidement pour que ce soit un petit peu plus joli. Margin. 5, allez-y. Et là, ça va. Appliquer ton style image sur Ah oui, j'ai pas bien vu. image. Tac, c'est vrai. Hop, on met ça ici. Donc là, style, style, point image. Bon, on aurait pu faire un truc bien plus intelligent. Que ça fait. Donc ça fonctionne, ça fait quand même beaucoup trop de code dupliqué. Donc ce qu'on va faire à la place, c'est const image source. Paf. On n'a même pas besoin d'utiliser le code. On va faire ça en interpolation. J'ai cru comprendre que en React Natif, on n'avait pas le droit d'utiliser l'interpolation directement dans le require de la source d'une image. Pour une raison qui m'échappe, mais qu'il fallait le déclarer avant. Instinctivement, je dirais que s'il y a effectivement un truc comme ça, c'est potentiellement pour éviter pour qu'il y ait une liste flat des ressources nécessaires lors du build. Ça se tient. Ça se tient. Du coup, ici, je require le image source. Est-ce que ça marche toujours? Ça marche pas du tout. Qu'est-ce que j'ai laissé traîner? Je crois que j'ai pas fermé. Yes. Ouf. Toujours pas. J'ai laissé traîner un truc dans un coin. Alors, il me manque ça. Cette fois, je crois qu'on est bon. Il dit quoi? Il dit qu'il y a une. Tu as bien, attends, retourne à la fin de ta ligne de ton image. De quelle image? Bah celle-là. Non, c'est bon. Il manque une parenthèse à la fin. Alors, lui, il ferme lui. Lui, il ferme ici. Lui, il ferme lui. Lui, ferme lui. J'ai tout fermé là. Invalid call ligne Bon bah 33, require image. c'est qu'il te laisse pas, même là il te laisse pas. En fait, même le require, t'as pas le droit. Bon, bah, on va faire ça. On va faire carrément image source. Hop, on va faire ça comme ça. Voilà le require ici. Require. Require, ça suffit. Ah non, c'est les requires que t'as pas le droit d'interpoler.
Bah, on va. Il nous embête. URL. Source. Je pense qu'il va pas, il va pas te laisser l'interpeller que de peu importe les biais que tu trouves. Hein. Comment ça, je peux pas l'arnaquer? Ok, bon bah si c'est que ça, en vrai. Mais par contre, je peux utiliser mon require ici. Je pense. Bah, dans ce cas-là, on va refaire notre dot et on va simplement remettre un petit ternaire et on n'en parle plus. On va lui dire si le code c'est dot, alors tu m'affiches ça. Sinon, tu m'affiches. Pensez qu'avec un micro, on n'entendra plus le chat. Parce que dans ce cas-là, je l'achète direct. Moi-même, je n'en peux plus. Je suis désolée pour vous. Alors, c'est bizarre parce que je l'ai testé tout à l'heure et ça marchait. Ligne 33, le require URL, il passe pas du tout. Non, importe-les comme t'as importé l'image du morse. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Paf. Image bon. Bah attends, on va déjà partir sur le. On va voir si c'est un problème d'import. Hop. Allez. Du coup, tu peux juste remplacer ton. Non, tu peux laisser ça, je pense. Ah oui, remarque, oui. J'aurais fait tac dot. Ça met une ambiance de fond. Je peux vous mettre de la musique hein, si vous voulez. C'est peut-être plus sympa. Ah, c'est mieux. Ok, donc c'est vraiment une histoire d'import. Très bien. On n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de ça. Et je range encore. Hop, ok. Et du coup, il est sympa mon générateur de. Mais il me faudrait un petit reset au passage. Celle-là, ça va sortir, non? Ça va continuer. Wouhou! C'est génial. Bon. On va peut-être s'arrêter là sur les boutons. Est-ce que tu veux qu'on passe au bruit de Berlin? Bah avec plaisir, Parce que là, du carrément. coup, ça va plutôt être ta partie. Je vais garder ça dans un coin. Je peux faire une copie. Voilà, je fais une copie, comme ça on peut repartir d'ici. Bien. Bah du coup, je veux bien que que on commence par importer le simplex noise. Alors déjà, je vais Alors. peut-être un peu expliquer ce qu'est le bruit de Perlin ou le bruit simplex. Ouais, et qu'est-ce qu'on va faire aussi? Effectivement. Ouais. Donc du coup, le bruit de Perlin, et d'ailleurs bruit de Perline, du nom de Ken Perlin, qui était un ingénieur chez Disney à l'époque. Et quand je dis à l'époque, c'était il y a en 1980, 1980 environ, C'est monsieur Wikipédia. avait besoin de générer du pseudo aléatoire lors du tournage de Tron. Donc il a mis au point un algorithme en gros qui va te rendre selon les paramètres que tu lui files, une valeur comprise entre moins 1 et 1, en faisant en sorte que chaque valeur soit corrélée aux valeurs qui l'entourent. Donc en fait, ce qui Je suis en permet... train en même temps de me battre avec mon camlink qui a pris. Je suis désolée. Ah, le Ah, camlink c'est est bon. Il est grillé. revenu, il est revenu, il est revenu. Tout va bien. Magnifique. Continue. Donc. Donc plutôt en fait que d'avoir un véritable aléatoire, donc comme par exemple MathRandom en JavaScript,
Il va juste, si tu l'appelles en boucle, il va juste te filer des valeurs complètement aléatoires et qui donc ne vont pas être liées les unes aux autres. C'est-à-dire que d'un coup, tu peux avoir 0,1, puis 0,7, puis 0,2, sans vraiment de logique ni de raison à ça. Le bruit de Perlin va faire en sorte que toutes les valeurs qui vont, que tu vas envoyer avec des paramètres proches vont avoir des valeurs proches. Donc c'est très utile, notamment par exemple si tu veux, rendre de la très utilisé dans, dans le milieu du jeu vidéo pour rendre des textures de fumée, pour rendre des textures de flammes, pour rendre même à une plus grande échelle, rendre même des mondes entiers. Parce qu'en fait, du coup, tu peux très facilement faire une conversion logique de la valeur à, par exemple, admettons, la hauteur d'une montagne. Tu vas, en gros, si tu maps ta valeur qui va être comprise entre moins 1 et 1, tu peux dire que bah, si 1, c'est toute la hauteur, tu vas pouvoir avoir un paysage qui va être généré en 3D assez facilement en utilisant ça. Je pense que une image parle mieux que ça. Je Ouais, c'est pense ce que que c'est. j'allais dire. Est-ce qu'on ne peut pas plutôt faire un petit tour sur les internets mondiaux? Et trouver une Je image de tape Perlin Noise. Perlin Noise, par exemple. Ouais, carrément. Voilà. Alors, donc ça, ce genre de truc, Ça, c'est c'est le du bruit bruit de Perlin. de Perlin. C'est ça. Donc, effectivement, en gros, donc, ça, c'est une visualisation de ces valeurs. C'est-à-dire que chaque pixel noir que vous allez voir ici va être une valeur de moins 1 et chaque pixel blanc va être une valeur de 1. Chaque pixel gris va être différentes valeurs entre moins 1 et 1. Et Et après les donc, en fait. trucs. Ouais, vas-y, continue. Pardon. Et effectivement, en se basant donc sur les valeurs qui va nous rendre à cet endroit-là, on va pouvoir utiliser en fait cet effet de pseudo aléatoire pour faire des effets assez sympas et pour créer en gros des zones, comme effectivement voilà sur l'illustration que tu montrais juste avant. Où, Celle-là. Celle-là. non, la deuxième de la deuxième ligne. Celle-là, pardon. Voilà. Où tu vas voir effectivement que les zones vont être regroupées par clarté. D'accord. Moi, ça me fait des gros flashbacks des jeux PlayStation 1, quand même. Il y a probablement un jeu PlayStation 1 sur 2 qui utilisait du bruit de Perlin à un moment ou à un autre pour faire quelque chose. Alors, le petit moment anecdote, tu me diras si je dis des bêtises, mais c'est pour. J'ai lu qu'il avait inventé ces algorithmes pour les effets spéciaux de Tron. Il a inventé ça pour les effets spéciaux de Tron. Il devait avoir besoin de. Je ne sais pas exactement ce qu'il avait besoin de rendre à ce moment-là. Peut-être de l'eau, peut-être de la fumée, peut-être du feu. Et je crois que plus tard, d'ailleurs, il a eu une espèce de récompense aux Academy Awards pour Il n'a pas le eu un remercier. Oscar carrément, un truc comme ça, un Oscar Pardon? technique. Je suis désolée pour le chat. Il n'a pas eu un Oscar Si, technique, un effectivement. truc dans le style. Si, il a eu un Oscar, effectivement, par rapport à ça, justement, pour le remercier de cette avancée qui a permis de pas mal simplifier, on va dire, les effets spéciaux générés par ordinateur, Moi, ce que. notamment parce qu'il n'a pas pu les avoir, notamment à l'époque de Tron, parce que à l'époque, l'Académie considérait qu'utiliser des ordinateurs pour faire les effets spéciaux, c'était de la triche. Ah bah bien sûr, évidemment. C'était trop novateur. Non mais moi c'est j'adore le concept de en faisant du code tu peux décrocher un Oscar. Ça me donne beaucoup d'espoir dans la vie. Je me dis que tu vois, genre tout n'est pas encore perdu pour moi. Je peux encore faire des trucs intéressants. T'auras peut-être une carrière dans le cinéma et pas celle que tu crois. Hein? Quoi? Une carrière dans. Quoi? Si, généralement, Qu'est-ce que tu sous-entends là? Qu'est-ce que tu généralement, sous-entends? laisse-moi terminer ma phrase. Les gens, généralement, quand ils rêvent d'une carrière dans le cinéma, ils rêvent d'une carrière d'acteur, pas de. Tu as toujours rêvé d'être génératrice de bruit de Perlin, ok. Ah Depuis bah toute écoute. petite, j'avais 4 ans déjà. Je voulais faire du Josh Canceled. Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit. J'étais sous le bus depuis le début de ce stream, c'est terrible. Oh, petit chat. Ah. Oh. Et du coup, donc,
Je propose qu'on fasse du coup, c'est peut-être une petite visualisation qui permettra de montrer les effets de, enfin montrer ce que, comment ça peut être utilisé, et comment on peut faire des trucs Ça rigolos roule. avec. Ça roule. Alors, encore une fois, moi, j'y connais que dalle. Donc, alors, attendez, il faut que je remette mon... Hop là, parce que là, Camlink a fait des siennes. On a à nouveau un éditeur de texte. On reprend le petit simulateur avec notre petit Walrus. Hop là. OK. Et je retourne dans... Je rechange d'ordinateur, pardon. Excusez-moi. Là, elle m'a fait beaucoup trop d'ordinateurs. C'est-à-dire qu'elle en a deux et qu'elle n'arrive déjà plus à gérer. Je pense qu'on va pouvoir dire au revoir à notre ami les morses, les points et les lignes. Ouais, attends, je suis dans le bon fichier. Donc, je vire tout ça. Je peux enlever notre state. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Est-ce qu'on veut rester sur ce safe area view ou... Ça posera pas de soucis. Ok, donc on va virer tout Et je ça. pense que Tac, voilà, tu peux tout tac, virer. tac, tac, tac. Magnifique. Voilà, nettoyer un petit peu comme ça. On n'a pas trop de trucs qui nous encombrent. Dans le style Bon, sheet, on l'utilise. laisse container pour le coup. Ok. On l'utilise pas. Hein. Ouais, mais On sait jamais. Très bien. on sait jamais. Ok, je t'écoute. Alors, je te propose que déjà pour commencer, on importe Simplex Noise. Alors, c'est le moment où on espère que je l'ai correctement NPM install. Alors, c'est quoi? C'est genre comme ça? Oui, c'est ça, from simplex en kebab case à partir de là. Ça a Voilà. l'air. Pour l'instant, il a l'air d'accord. Ok, Alors, cool. ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement juste en dessous de l'import, on va l'initialiser. Donc, même pas dans l'app, mais vraiment le. Ok, genre. Donc, Un voilà. truc comme ça. Je propose qu'on va la, on l'appelle on va la, on l'appelle opacity noise pour l'instant. Ok. Opacity noise. D'accord. Et comment ça s'installe? Je crois que j'ai la doc hein, pas trop loin s'il le faut. Non mais Kiki écoute, paf. Je crois que j'avais prévu ça. ok, bon mais Donc. effectivement voilà, tu fais un Donc new un new. simplex noise. Ok. Hop là. Vous avez vu, maintenant je me foire presque pas sur les transitions. Presque. Simplex, nice. Pouf, ok. Voilà. Est-ce que je te propose, et alors ce qui est intéressant aussi justement dans le simplex, c'est qu'on peut lui passer une seed pour être sûr qu'il renvoie toujours les mêmes valeurs qui nous intéresseront. Donc je te propose qu'effectivement voilà, tu fasses new simplex noise et que tu lui passes une string qui dit opacity, par exemple. Alors, j'ai pas bien compris à quoi ça servait. Pour être sûr qu'en gros, au prochain render, que le dataset que va te renvoyer Simplex sera le même. D'accord, mais c'est comme une key, c'est pour qu'il y ait un truc qui est C'est comme une juste. key. Ça C'est n'a comme une pas. key, oui. D'accord, parce que pour moi, seed, ça va plutôt être un jeu de valeurs générées plutôt qu'une Alors, key. traditionnellement, en gros, Seeder une base de données. en gros, traditionnellement, la seed d'un algorithme de génération de nombres aléatoires Ouais. va être en gros la valeur, enfin va être effectivement une sorte de clé et qui va s'assurer que en gros tant que tu passes la même seed, alors tu auras toujours la même valeur. Ok. Mais Ok, là, très ce bien. qui va manipuler l'acide ou pas du tout? Il va générer en gros les valeurs depuis la seed. Mais D'accord. c'est, on a passé opacity comme on aurait pu passer tartampion, tu vois, D'accord. c'est Je pas vois pas trop c'est pas comment il va l'utiliser, mais je te crois sur C'est parole. pas très important pour l'instant. Ok. Alors, ce que je propose qu'on fasse pour commencer, ça va être une petite grille de blocs. Ok. Donc pour ça, il va nous falloir définir le nombre de rangées et le nombre de colonnes. Je les mets dans des constantes, j'imagine. Tu les mets dans des constantes et top level, même pas dans l'app. Encore Yes. même level que le simplex. Alors, colonne, ça te va? Ouais. Colonne Colonnes, developer? non, même juste columns ou Ouais. calls ou ce que tu veux en fait. Et on va juste prendre un nombre. Bah,
je sais pas, 12, 12, ça te Ouais, va? par exemple. Nickel. Et donc, il nous faut des lignes. Donc, on est sur un format mobile, donc il va nous en falloir un petit peu plus. Je sais Effectivement. pas, 48? Ça va peut-être faire beaucoup là pour le coup. Je propose 16 pour l'instant. Ensuite, on Oh, bah ajustera. ça va pas faire des carrés, ça. Si, Bon, c'est pas t'inquiète. grave. Ah ouais? Ok, Ouais. très bien. Et alors, ce qu'on va faire du coup maintenant dans ton app, on va créer un nouvel arrêt qui sera la longueur de calls. Donc, on fait un arrêt.from. Non, direct. Attends, ouais, dans ta Safe Array View. Oui. Voilà, ici. Donc, array.from length de point columns. Ah oui, je n'utilise jamais ce truc. Comme ça, je dirais que j'ai pas besoin de lui préciser du fil. Non, c'est un objet. C'est un objet, non? Oui, c'est Absolument, ouais. colonne, j'imagine. Et donc sur Ouais. cet arrêt, on va itérer dessus avec un map. Yes. Donc, colonne, ça te va? Alors celui-là, tu peux le, celui-là on va pas l'utiliser, celui-là. Donc tu Ok. vas faire Ah oui, ce que on veut tu veux. juste. Très Donc ça bien. va être en fait on veut, ce qui nous intéresse ici, ça va être l'index qu'on va appeler du coup. Non, mais attends, j'ai dit attends. Ouais, non, c'est ça. Reprends tes esprits. Tout va Columns, bien. ouais, donc map, ce Ouais. que tu veux, virgule x. X qui correspondra à notre index, du coup. Yes. Voilà. La même façon, donc ici, il va nous falloir qu'on crée nos rangées. Donc, on va pouvoir créer une nouvelle view ici. Ok, donc on rend quelque chose. On est d'accord. Donc, C'est ça. voilà. Je n'ai pas tant la documentation. Tu nous embêtes la documentation. Voilà. Hop là. Donc, on fait des views. On n'oublie pas les keys parce que sinon, on va se faire gronder par Bloody Effectivement. Hole. Donc, la key, ça va être X parce que c'est le seul truc qu'on a. Ça. Et donc dans cette view, on va faire un nouvel, on va encore itérer sur un autre arrêt, mais cette fois ce sera l'arrêt des rangées. Donc pareil. Donc array from length rows. Yes. Tac. Ça me rappelle la fois où j'ai fait un démineur. C'est fun. Ça fait mal à la tête de coder un démineur. Mais c'est pas très compliqué. Alors Non, toujours, pardon, un arrêt, oui. c'est Je ça. parle, je fais n'importe quoi. Array, from, bidule, truc, chose, length. J'aime pas ce mot. J'aime pas ce mot, c'est comme with. Je sais pas dans quel ordre sont les lettres. Rose, rose, paf, et je map. Et cette fois. Alors dans ce cas, bah pareil là, donc la première valeur, on s'en fout, donc tu l'appelles comme tu veux. 100, cogne. Alors moi je le mets underscore, je sais pas si c'est si c'est une convention qui se fait en JavaScript. C'est une convention qui se fait en Ruby en tout cas. Oui, ça se fait. Et Ok. pareil, là, du coup, ça va être Y. Yes. Et donc, Jusqu'ici. maintenant, pour chacun de ces trucs-là, on va créer une nouvelle view encore. Hop, tac, view. Mince. Fais pas de raccourci. Faut que je trouve une façon de désactiver les suggestions parce que là, ça devient un petit peu envahissant. Ça va être les suggestions de TypeScript. Bah, je crois qu'en fait, je comprends rien. J'ai activé plein de trucs dans VS Code au pif. Et du coup, ça m'explose un peu au visage tout le temps. Y. Ouais, et du coup, maintenant on a Du coup, des petits carrés. ce sera XY ta clé. X plus Y. Ouais. Enfin, ce sera. Oui. Enfin, Mais X plus string espace plus Y. Sera X. d'ailleurs, notre array, il n'est pas vide. Ils n'ont pas du coup exactement la même valeur, tous nos x et tous nos y. Non, t'inquiète pas. Non? Ok. Puisque le X et le Y, c'est l'index de l'item. Ah oui, c'est les index, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais on a quand même des. Ok, ça me va. Est-ce que là, ça rend quelque chose?
Là, pour l'instant, non. Ce qu'on va faire, c'est qu'effectivement, sur les petites views qu'on vient de créer, là, les views d'index XY, enfin de key D'accord, XY. je crois qu'on a un petit souci de Enter the Matrix. On a un petit souci d'indentation. Enfin de. Pourquoi il y a un point-virgule qui se balade? Je vous le demande. Alors, attendez. On va peut-être clear un peu le code parce qu'il y a un truc qui ne va pas. On va avoir besoin de définir des choses ici ou je gère mon return? Laisse ton return pour l'instant, on va s'en servir après. Ouais, je veux juste régler, il me manque. Donc, il y a une parenthèse en trop, je crois. Genre. Non, ouais, celui en dessous de view et en trop. Celui-là. C'est ça? Encore un. Non, il a l'air content là. Non? Ok. Vérifions. Lui c'est lui c'est le map et lui c'est le array. Ouais. Bon, Magnifique. en tout cas, ça rend rien, mais ça rend. Nickel. Bon, alors du coup, sur les petites Et views qu'on vient de merci créer. Mathias pour d'avoir vu ça. Bien joué. Mathias, il interprète le code dans sa tête et il arrive à. C'est notre linter humain. Wow. C'est notre Trop AST. fort. Donc pour chacune des petites views qu'on vient de créer, on va leur appliquer un style. Donc on va leur filer une. On va leur dire que leur width et leur height Ouais. sera On de en écrit. 10, par exemple. Ouais, style comme ça, nickel. Tu veux que je leur passe un style ou tu veux que je le passe directement comme ça? Directement comme ça, Ok, du coup. très bien. Donc, c'est Attention, c'est. un Ouais. objet. Ah oui, tiens, petite spécificité, c'est pas des pixels. Natif. Il n'y a pas d'unité. Ils font leur tambouille interne, apparemment. 10-10. 10-10 et background black. Ouais. Non, attends, je vais mettre ça un peu en forme. Background black, background pink, hein, si tu veux, y a pas de souci. On peut faire en sorte que ce soit un peu plus conforme à la charte graphique de ton stream. Je peux rester un Rebecca Purple parce que depuis que tu m'as expliqué l'histoire de Rebecca Purple, je trouve ça trop chouette. Ben c'est parti pour le Rebecca Tu Purple. veux raconter l'histoire de Rebecca Purple? Alors, si je me souviens bien, du coup, c'était Eric Meyer, donc l'auteur du Reset Meyer, qui sert à normaliser les styles à travers les navigateurs lorsque tu démarres un projet web. Il y avait une fille qui s'appelait Rebecca, et je crois que cette fille est morte, tragiquement, et que donc, en hommage à son travail et à sa fille, il a été rajouté dans les navigateurs le shorthand Rebecca Purple pour la couleur qui correspond à 336699. Je voulais chercher dans Google, mais Ah oui, non, d'accord, c'est moi qui ai fait n'importe quoi. J'étais pas sur le bon. Ok. Bah, merci de Alors. m'avoir raconté l'histoire. C'est très mimes. Alors, ce qu'il va nous falloir faire maintenant, c'est qu'effectivement, sur la view intermédiaire, la première qu'on return, il va falloir qu'on lui dise qu'il va falloir lui dire d'être flex, il va falloir lui dire d'être flex direction row, il va falloir lui dire de ne pas wrap. Alors, si je dis pas de bêtises, les views sont déjà des flexbox On devait flex, et effectivement. elles sont par défaut des colonnes. Donc, il suffit de lui passer le flex direction row Voilà. C'est et son on a truc. un gros carré. On a un gros carré, effectivement. Et alors On peut maintenant, ce leur qu'on peut mettre un petit s'amuser. peu de margin pour qu'on voit que c'est des carrés? On peut. Tu peux mettre une margin de 1, du coup. Voire 2, Ça. si on se sent, Oh là si on là, se sent, si on se sent joueur. comment on est des foufous. Ok, cool. Voilà. On a une Bon, grille. là, on va pouvoir voir effectivement on va peut-être pouvoir augmenter le nombre de lignes et de colonnes. Alors du Ça coup, va. effectivement, pardon. Du coup, effectivement, comme en fait, je me suis planté. Tu peux inverser colonnes et rows dans tes arrêts from, vu qu'on est en vertical. Je peux. Ah, en nombre de lignes, tu veux dire? Non, direct dans tes arrêts point from quand tu crées tes arrêts. D'accord. D'abord, on fait les roses et ensuite on fait les colonnes.
Ok. Et pareil, tu peux inverser les X et Y du coup. C'est perturbant, mais je peux faire ça. C'est très bizarre de commencer par Y. C'est très contre-intuitif. Ok. On Voilà. devrait être bon. On Et va du coup, pouvoir. on veut plus de petits carrés, c'est ça? On va pouvoir y aller, ouais. Donc, je Alors. te dirais, tu peux doubler, je pense. On n'a pas besoin de remplir tout le truc pour l'instant. C'est pas Voilà. mal comme ça. Voilà, Tu vois, on a une finalement, espèce de. j'étais pas si loin avec mon 48. Effectivement. On a notre petite grille de démineur maintenant. Ouh! Alors, ce que je ferais, c'est qu'effectivement, là, sur le styles.container, je mettrais en. Non, je vais laisser. On va laisser comme ça. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va sur nos petites views, passer un style d'opacité. Ah, un chat. Il y a un chat et c'est pas le mien. C'est le mien, celui-là. Voilà, c'est en fait c'est pas le live coding on chill, c'est le live coding on chat. Nous disons une opacité. Une opacité, et Oui. c'est là qu'on va utiliser le simplex. Oui, c'est des dés. C'est des dés qu'on entend. Pardon. C'est là qu'on utilise le simplex, oui. Et c'est Ce qu'on va le comme ça faire, là, lui là. Mince. Lui. Non, c'était on l'a non, appelé opacity. opacity noise, voilà. Ouais. Point noise 2D. Point noise 2D. Oh bah, il est là. Ok. Voilà, on va lui passer Y, X, Oui. et ce qu'on va faire, parce que là du coup c'est une valeur entre moins 1 et plus 1, et on veut que ce soit une valeur entre 0 et 1. Et on fait plus 1. Plus Non. 1, si, Non, ouais, c'est plus 1, x1. C'est entre moins 1 et 0 ou moins 1 et 1. moins 1 et 1. Donc on fait plus 1 et on divise le tout par 2. Ok. Alright. Pif. Et ça va. Waouh! Alors ça, c'est plutôt cool. Waouh! C'est trop cool. C'est très facile à épater, hein. Mais Mais je trouve ça grave cool. donc voilà, et en fait, on peut voir effectivement qu'on a. Alors ce qu'on va même faire d'ailleurs, on va créer des zones un peu plus cohérentes. Ouais, parce que je Donc voulais dire, c'est pas très éloigné du full random. alors ça va être ça, on va rendre ça plus cohérent très rapidement, tu vas Ok, voir. cool. Donc dans ton noise 2D, tu vas Ouais. multiplier Y par Oula, pardon, il y a un chat qui vient de faire un gigasaut comme ça là. Wow! Oh, calmos. Respecte-moi, s'il te plaît. Viens ici. Viens faire des câlins. Pardon. Multiplie Y par les rows. Comme ça? Ouais, et X par les colonnes. Qu'est-ce que ça change? Tu vas voir. On me fait des surprises. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Pourquoi ça ne change rien? Qu'est-ce qui se passe? Attendez, je vais choper le chat au passage. Pendant Non, oui, que non, tu pardon, deviens morpon. j'ai dit que tu les multiplies, mais il ne faut pas les multiplier, il faut les diviser. C'est D'accord, pour ça. attendez, j'essaie d'attraper un chat. Ah là là! Hop là, vive les écouteurs sans fil! La meuf stream et s'en va. Voilà, on en est là. Attendez, c'est le moment de la pause chat. Regardez comme elle est mignonne. Elle n'a pas du tout envie d'être Mathieu. là. Horrible chat! Tu peux parler. Il est tellement plus mignon celui-là. C'est le plus mignon de tous. Et au moins, il bave pas partout. Pardon. Bon, par contre, elle est extrêmement chiante. Elle est mignonne, mais elle est extrêmement relou. Donc, tu m'as dit que je devais diviser tout ça? Ouais. Du coup, ouais, c'est Y sur rows et X sur colonnes. Y sur rose et X sur colonne. C'est pas l'inverse? Ah non, c'est ça. Oui, c'est vrai. Non, c'est qu'on a changé. Voilà. Waouh! Ah oui!
Oui, là, Là, on on est est moins sur... sur de l'aléatoire, on essaie une espèce de petite vague, de on est petites sur quelque vagues chose de, vache... dynamiques. de vachement plus corrélé. Donc tu peux voir effectivement que tu as vraiment tes zones qui vont être cohérentes les unes avec les autres. Ouais. Alors, tout ça, c'est assez cool, mais ça manque un petit peu de mouvement. Ok, alors attends, pendant que tu. Est-ce que tu peux juste expliquer à quoi ça correspond en fait les deux paramètres qui sont là et est-ce que pourquoi en divisant ça change quelque chose? Et moi pendant ce temps je vais essayer de calmer mon chat histoire qu'on puisse faire des trucs sans avoir un fond sonore affreux. Quand on passe à Noise 2D, en gros, Noise 2D, c'est la méthode de Simplex Noise qui va dire qu'on veut effectivement du bruit de perline en deux dimensions. On viendra plus tard aux trois dimensions et on peut aller jusqu'aux quatre, mais je n'ai pas particulièrement envie de commencer à réfléchir en quatre dimensions personnellement. Donc en fait, on lui passe la valeur qui va correspondre sur cette grille. Pardon, c'était pas pour toi. Pardon, je suis revenue, et bienvenue, Jo Gaston. Normalement, je suis devant la webcam, je vous jure. J'ai juste dû partir nourrir le chat qui était très relou. Pardon, je suis là, je suis toute oui. Du coup, en gros, faut imaginer que le simplex, en gros, il va vous renvoyer une matrice. Une quoi, pardon? Une matrice. Ouais. Des lignes et des colonnes. De valeur entre moins 1 et 1. Donc en fait, Ok. en lui passant les paramètres y et x, on va lui permettre de mapper ses valeurs, enfin, on va lui permettre de mapper ses valeurs sur la grille qu'on a créée. Et en gros, en le divisant par le nombre de rows et de colonnes, on va juste faire en sorte que on ait une taille similaire relative entre notre grille et le simplex. Je vous cache pas que c'est un truc que j'ai un peu de mal aussi à comprendre dans le fonctionnement, mais... Ok. C'est ouais, non, je vois la matrice. Mais c'est vrai que à quoi ça re... Albert Einstein dans le Discord, littéralement. Typiquement, même. En divisant par les rows et les colonnes, on va s'assurer en gros que les valeurs vont être plus proches les unes des autres. On ne va pas prendre juste des valeurs sparses sur la matrice, on va prendre des valeurs qui vont être Mais forcément plus proches. Donc c'est-à-dire qu'en d'accord. gros, si tu... Est-ce Si... que c'est il faut réellement diviser par les rows et les colonnes ou est-ce que si j'avais mis 1000, j'aurais eu quelque chose de plus proche? Ouais. Tu peux, si tu divises par 1000 les deux, tu vas voir que tu vas avoir un... D'accord. En fait, ce que disait Ross, c'est que finalement, ce qui compte, c'est que ce soit une valeur inférieure à 1. Enfin, c'est que ce soit une fraction, alors qu'avant, on avait un C'est entier, ça. non? C'est ça? Ok. Donc en fait, on s'en tape, mais en même temps, on garde une notion de, j'imagine, si je fais ça, est-ce que ça va nous changer quelque chose, par exemple? Ça le fait. Est-ce que c'est Ça fait, mais déterministe? Ouais, ça a oui. l'air. Ok, c'est déterministe. C'est déterministe parce qu'on a passé justement une seed à simplex D'accord. plus haut. Du coup, il n'en crée qu'un seul. C'est Ok, ça. effectivement, si on le rend plus carré, j'ai l'impression qu'on voit que cette espèce de vague-là se décale sur. Bonne soirée, Simon, merci d'être venu. Et bonne nuit. Et à bientôt. Ouais, si on fait comme ça, effectivement, on voit que ça se décale. Si j'avais mis 5. Wow. Ok, en fait, c'est. Si je dis pas de bêtises. Attendez, si je dis pas de bêtises, en fait, c'est une sinusoïdale. Et non, il n'y a pas une notion comme ça. Parce que si ici si je mets ça, En gros, ouais, tu vas ok. diminuer la fréquence. Ouais, c'est ça. C'est que le Tu vas deuxième faire varier la paramètre fréquence. détermine la fréquence et le premier définit l'amplitude, je crois. Une histoire comme ça. Ok, bon. Après, si c'est supérieur à 1, ça fait quoi? Bah, en fait, au début, on avait des nos x, y qui sont supérieurs à 1. Donc, je pense qu'on peut essayer avec. Mais ce qu'on avait fait au départ, quand on avait multiplié. Mais on peut prendre nos x et y qui sont forcément supérieurs à 1 parce que c'est des index. Et en fait, on a du pur aléatoire.
je En pense. fait, ça ressemble à du pur aléatoire, mais c'est parce qu'en fait, on est sur une trop petite scale pour observer les patterns. D'accord, ouais, ok, on est trop dézoomé, quoi. En fait, il y en C'est ça. a, si on pouvait agrandir le truc, on les verrait. C'est ça. Et par exemple, si je le. Est-ce qu'on va avoir une notion d'échelle? Voilà, si je le divise par 10, déjà, on voit un pattern. Si je le divise par 100, j'imagine qu'on va. Ouais, on voit quasi. Là, on voit quasiment plus rien. On C'est ça, voit en fait, très il faut. légèrement que c'est plus clair en haut. Et il faut être le plus près possible du nombre effectif d'items pour avoir un rendu. Bon, non, en fait, il n'y a pas de rendu acceptable. C'est toi qui après décides à quel point tu veux. C'est ça, Oui, c'est ça. c'est le ton utilisation qui va conditionner ton Ouais, usage. exactement. En fait, plus tu zoomes, plus bah, en fait, tu vas avoir une seule couleur parce que tu vas être sur un tout petit point. Là, tu penses quasiment uniforme. Ça ne joue vraiment pas à grand-chose. Donc, tu vois, on pourrait avoir un truc, genre un bon compromis qui serait un 50. Ouais. On n'est pas obligé de rentrer, effectivement. Très bien. C'est ça. Et tu peux glisser sur une zone particulière. Je sais pas si Oui, tu peux. tu peux glisser sur une zone particulière si en gros si tu changes ton offset de base. Donc tu vas faire Y plus quelque chose. D'accord. Que par Enfin, défaut, Y sur. ils zooment quoi sur le premier point de la matrice ou sur le milieu de la matrice? Oui, ça va zoomer en haut à gauche, technique. Ouais, ça se tient. C'est mieux dit avec offset. Oui, ouais, c'est pareil. C'est pareil. Moi, je ne crois pas en les termes techniques. Cachemire, tu as déjà eu à manger. Je donne chat et t'as peu servi. Vraiment. Pas de Alors attention, souci. t'as oublié un N. J'ai oublié un N. Ah oui, j'ai oublié un N. Il faut appeler un chat. Tout à fait. Un chat. Ok. Alors ça c'est pas mal. C'est C'est joli. un petit peu, mais c'est un petit peu statique. Tout à fait. Alors moi, ce que je te propose qu'on fasse, c'est qu'on fasse un use effect Ouais. Pourquoi je suis contente de faire un use effect? qui va juste en gros prendre un compteur Ouais. et l'incrémenter toutes les 16 millisecondes. Ok. Et du coup, oui, pourquoi un use effect? Parce qu'on va re-render. Oui, si, ok, ça marche. Alors, tu n'es pas d'accord sur le 16 millisecondes? Alors pourquoi est-ce que tu n'es pas d'accord sur le 16 millisecondes, Zara? Je pense parce que c'est pas assez rond comme chiffre. Use effect avec un tous les E c'est mieux. Très bien. Pourquoi il devrait être d'accord? Ok, Non très mais bien. Bon, bah, si c'est. l'esprit contestataire est présent sur ce chat. Écoutez. Donc moi, ce que je te propose, effectivement, c'est que tu crées un. C'est que tu crées effectivement un hook time et un set time. Ok. Tu veux que je crée un hook? Que tu fasses un hook un use state time set time. Ah, d'accord. Ok. Un set. Un state. Time. Set time. State. On le fait partir de quoi? Zéro. Zéro. Voilà. Ok. Donc dans ton use effect, on va faire un truc à la con en simple. Attends, il y a Jogation qui me propose un échange. Je dois le considérer un instant. Échange contre le chat, super silencieux, mais qui fait caca partout. Franchement, la question se pose. La question se pose. Moi, je te dirais de garder le tien quand même. Bah, c'est vrai que dans la mesure où ma housse de couette est blanche, je pense que c'est pas terrible. Effectivement. Donc, désolé, je vais garder mon chat. Bon courage, cela dit, ça doit être relou.
Emmène-le chez le véto, c'est pas normal, c'est bizarre. Pauvre chaton. Et surtout, pauvre, pauvre Jo Gaston. Pardon. Youssef. Oui. Donc dans lequel on va créer un nouveau timeout. Tu cherches quoi, un set timeout? Ouais, c'est ça. Ah, oh, merci le Inter de corriger mes fautes de frappe. Je sens que Jo Gaston est en train de craquer. Ça sent le JPP de je suis là, je suis pas bien, j'en peux plus. Faites quelque chose. Envoyez de l'aide. Et donc dans ce set timeout, on va faire un set time plus 1. Ah, bon Alors, bah Mathias nous a envoyé la solution. Mathis, il a pas bien compris le jeu. Il veut gagner. Mathias, c'est T'inquiète. des formations professionnelles. C'est ça, c'est. Alors, attends. Moi, je suis perdue. Donc, attends. Le time out. Parce que là, on est sur des frames. Et on tick. On tick. On fait 7 frames plus 1. Il n'y a pas de time out dans sa version. Écoute, tu C'est peux quelque chose. utiliser la version de Mathias, elle sera bien meilleure que la mienne. Alors, dis pas ça. Moi, je suis partie sur un timeout. Donc, je veux d'abord la version avec le timeout, s'il te plaît. Mais Et par contre, je sais pas ce que je suis censée faire. du coup, en gros, donc ton timeout, faudra juste que tu lui, faut Sur que un set tu time? fasses un set time de time plus 1. Ok. Ah, ouais, tout. D'accord, ok. Très bien. Je Toutes savais les pas où 16 tu voulais millisecondes. en venir. Très bien. Et toutes les 16 millisecondes. C'est ça. Alright. Et j'imagine qu'on va utiliser le time pour calculer l'opacité. C'est ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui passer donc un troisième paramètre, à noise 2D. Ouais. Et comme on lui passe un troisième paramètre, on n'est plus sur un noise 2D. On est sur la 3D. Oh. On est sur la 3D. C'est le turfu. Et ça marche pas. Alors. Qu'est-ce qu'il nous dit? Pourquoi il râle? Ah, oui, non, il faut que tu rajoutes effectivement C'est pas parce qu'il manque un timeout. un cancel. Donc faut que dans ton use effect tu return clear faut que tu return clear timeout. En gros, dans ton use effect, tu Oui. vas au lieu d'appeler directement le set timeout, tu vas faire const timeout. Oui, il faut que je prenne le timeout ID, enfin l'ID, c'est C'est ça? ça. Alors, t'as importé le use effect. Oui, j'ai importé le use effect. Ah, j'ai pas eu le temps de passer. Bonsoir. Coucou Erandis. C'est cool que tu sois venu. Je te fais une petite. Donc on fait du React natif. Avant on a fait des trucs pour faire du morse en cliquant sur des boutons. Et là tout de suite on essaye de faire, je vais te montrer rapidos, on essaye de faire d'utiliser le bruit de Perlin qui ressemble à ce genre de truc. Tu peux reconnaître les magnifiques textures qui ont hanté tes jeux PlayStation 1 et autres. C'est une sorte de faux aléatoire qui nous permet de faire des effets plus cohérents de type bah, on va te le montrer dès qu'on va le débugger parce qu'on a fait on a visiblement fait des bêtises alors je crois que c'est ah oui non c'est le on a dit que c'était là-haut alors j'utilise jamais les returns enfin les callbacks dans les use effects c'est juste un return. Oui, c'est ça, tu fais return fonction anonyme clear timeout. Fonction anonyme clear timeout. D'accord, comme Voilà. ça. Et je prends le Clear timeout timeout, ID. c'est ça. Et attention Alors. parce que là, effectivement, ton 16, ton 16 est plus appliqué sur ton set timeout, il est appliqué sur je ne sais pas quoi. Oui, effectivement, parce que je me suis trompée de méthode. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, je reviens à quand ça. Ça, c'est mon.
J'ai un problème. Ah mais j'ai un problème de parenthèse dans mon histoire, je crois. Ça, c'est mon timeout. Et ça, c'est mon use effect. Et ici, ok. J'y suis, c'est bon. Désolé. Désolé pour la confusion. Donc, là, je suis dans mon use effect. Et on a dit qu'on return une petite méthode. Paf, pouf, clear timeout de timeout ID. Ok. Et tu faut que tu lui passes effectivement aussi du coup à ton use effect la dépendance donc un arrêt qui contient time donc effectivement Et là il change quand on utilise time. C'est ça. c'est ça. Alors, Zara, ce qu'on rappelle, clear timeout. Alors, en gros, si je dis pas de bêtises, les méthodes comme clear timeout et enfin, set timeout et set interval, j'ai pas tout compris comment ça marche, mais ils placent des choses en JavaScript et il faut les dégager manuellement pour pas que ça surcharge la console, c'est ça? Ça surcharge effectivement la mémoire. C'est surtout, en fait, c'est surtout évident quand tu utilises le set interval. Donc le set interval, ça va être comme un set timeout au lieu d'attendre les millisecondes. Il va faire un truc, enfin il va pas s'arrêter. Le set timeout, il le fait une fois, etc. Alors attends, Mathias essaye de communiquer, mais j'ai l'impression que les mots ne sont pas dans l'ordre. Donc en fait, si on avait placé un set intervalle, on aurait lancé une boucle infinie et on aurait eu besoin de l'arrêter à un moment donné. Et donc pour ça, on chope son ID et on dit genre à un moment donné, il va falloir sortir de cette boucle, sinon tout explose au bout d'un moment. Et avec le timeout, je crois que c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que tu vas placer un timeout toutes les 16 millisecondes, ce qui fait qu'à un moment donné, dans ta mémoire, il va y avoir un paquet de ces entités de timeout qui existent, qui ont déjà été exécutées. Et tu utilises le clear timeout pour libérer de la mémoire. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Tu valides? Oui. Ok. Et alors, ok, on a l'assentiment de Mathias, mais sur quoi Écoute, moi, ce cet que je propose, intervalle? c'est d'aller voir la. Non, ça devrait être bon. Moi, je te propose Sorcière. d'aller voir. Voilà. Ah! Et bah du coup, comme tu peux le voir, les gens disent, on avait fait au départ, on avait une image statique qui nous permet de faire cette petite vague, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur du full aléatoire où chaque carré a une autre opacité. On est sur quelque chose où l'opacité du carré va dépendre de ses voisins. Et là, en plus, il prend une notion de temps et il bouge. Il bouge vite, d'ailleurs. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire justement maintenant, c'est qu'on va un peu diviser le temps dans ton appel à Simplex 3D. Donc n'hésite pas à le diviser par une valeur qui te paraît bien. Moi je mettrais. Non, pas ici, directement dans le. Ouais. Oui, j'ai vu. Donc on est sur de la fréquence, c'est ça? Donc si on le divise par deux, effectivement. Ouais, moi je l'aurais directement divisé par 100, à vrai dire. Ouais, c'est vrai que ça fait pas une grosse diff. Divisé par 100. Allez-y. À 100, bon. Waouh. Oh, remarque si c'est cool. Ça claque. Waouh. Tu sais ce que ça me rappelle? Qu'est-ce que ça te rappelle? Les lampes à lave? Mais oui, complètement. Ça vous rappelle pas trop les lampes à lave? Ça va presque trop doucement pour une lampe à lave, attendez. Être un petit 80. Oh, vas-y, à 50. Ah, faut pas que ça aille trop vite. Ah ouais. Maintenant, c'est léger quand même. Peut-être qu'il faut qu'on agrandisse un peu. Je sais pas. Mais ouais, non, ça me rappelle les lampes à lave. Ça me rappelle les soirées à fixer les lampes à lave. Peut-être moi que je suis pas la seule à avoir fait des soirées à fixer des lampes à lave en ayant des conversations très profondes.
sur la vie. Est-ce que tu veux qu'on le rende un peu plus funky encore? On peut le rendre encore plus funky. On peut le rendre encore plus funky. Alors, ce que je te Nice. propose, c'est qu'on aille créer tout en haut de notre fichier Ouais. deux autres simplex Ok. qui vont être le X noise et le Y noise. Oh là là, incroyable. Alors, donc, le X noise. Ouais, parce que ça sonne vachement bien, dire X noise. Et qu'on appelle X, j'imagine. Par exemple, ouais. Et pareil pour le Y. Faut diviser par 42, ouais, et ce sera encore plus trippy. Et après, on va être bien, bien, bien. Ça va devenir du code psychédélique. J'adore. Ensuite, ce qu'on va faire, du coup, dans ton Ouais. Avant ton return, du coup, ce que je te propose, c'est qu'effectivement, tu remplaces le return direct par une fonction sur le dernier array.from, celui qui renvoie ta view. Pardon. À la fin de la ligne, t'as tes parenthèses. Non, au-dessus. Mon map, tu veux dire? Tu veux que je Tu le peux me transforme voir. en méthode? C'est ça. Ok, que je définis, est-ce que j'ai besoin de définir Non, d'autres mots? tu peux rappeler juste dans des accolades. Juste dans des accolades. Ah, Pardon? là, sur ta ligne 34, Oui. tu prends tout ce qu'il y a entre parenthèses. Ligne 34? Bah Ah oui, maintenant, pardon. ligne. 32. Voilà. Ouais, ici, là, de la Oui. parenthèse à la fin. Prends tout Oui. ce qu'il y a là-dedans, tu mets ça entre les accolades. Ici, voilà. Ouais. Avant ta Ah, parenthèse, d'accord, c'est tu ça mets que... D'accord, un ok. D'accord, c'est ça que tu veux que je fasse. Ok. Désolé, c'était pas clair. D'accord, ok. Et Pas de au-dessus de souci. ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des valeurs de déplacement. Nice. Donc, ce qu'on va Mais faire, c'est comment on qu'on va va faire faire. ça, Jamy? Bah écoute, je vais te le dire, Fred. Donc, ce qu'on va Attends, faire, c'est c'est qu'on lequel est va. lequel? C'est lequel qui est dans le camion? C'est Jamy qui est dans le camion. C'est Jamy? Ok. C'est Jamy qui est dans le camion. Ok, c'est toi, Jamy, alors. Ok, Dis-moi tout, formidable. Jamy. Alors, ce que tu vas faire, donc on va créer un displacement X. Displacement. Ouais. Alright. Qui va avoir comme valeur, du coup, X noise. Ouais. Point noise 3D. Yes. Et en fait, tu vas pouvoir reprendre exactement le même truc qu'on a sur le noise 3D, donc Y sur rows, X sur columns. Et time sur 100. Sur, on a eu quoi, C'est ça. 50? Ce time sur 50, effectivement. Ah, et on a étouffé. Ah oui, non, ça c'était pour l'opacité qu'on a fait plus ça. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on Est-ce qu'on va. doit. Pardon. Est-ce qu'on doit à nouveau faire un plus 1 vu qu'il commence à moins 1? Non, pas pour celui-là. Ok. Ce qu'on va faire en revanche, c'est qu'on va multiplier par on va le multiplier Ah, par par 10. par 10. Ok. Ce qui va être la 10 qui en fait est la taille de ta du bloc. Ok. Est-ce qu'on doit pas prendre en compte les margins? Non, t'inquiète. Pour Ok. l'instant, Pour l'instant. d'abord on le fait fonctionner, ensuite on le rendra encore plus cool. Encore Tu plus joli. vas pouvoir faire pareil avec le Y. Donc un Et displacement Y. attendez, je vais juste, je vais fermer le ça comme ça, on verra un petit peu mieux. Comme ça, on gagne un petit peu de largeur. Hop. Donc, displacement Y. Et donc Y noise point noise 3D. Hop là. C'est bon. Alors t'as écrit X noise. Ah ouais. Ouais, c'est bon. Ouf. Ouf. Et alors dans tes What? styles, dans les Oui. styles de ta view, tu peux rajouter un transform. Alors attends, Transform. faut que je vois un peu l'aspect de transform en React Native pour le coup. Tu veux... Attends, on va la regarder ensemble. Ah ouais, carrément. Ça va être plus simple. Alors, attends. Il faut que j'ouvre... Je change...
à son éditeur. Donc on est toujours sur ces magnifiques bruits de Perlin. C'est React Native, j'imagine. Dans quoi tu veux que je cherche ça? C'est quoi? En gros, c'est Dans Transform React Native, un truc comme ça? Attends, ouais, je suis pas sûre. transform active. Tu échanges mon chat contre tes deux terreurs. Attends, les terreurs. On parle de chat ou d'enfant? Ah, je crois qu'on parle d'enfant parce qu'a priori, un chat ne veut jamais dormir quand on veut qu'il dorme. J'ai pas de solution. Si ce n'est que la tétine dans le schnapps, chez nous en Alsace, ça fait des merveilles. Bon. Éthiquement, je sais pas. ouais, pardon. On était parti sur React Native, Transform. Transforme quelque chose? Qu'est-ce que t'en dis? C'est Transforme! celui-là. Installe React Magnifique. Native. Ok. Ils ont ça dans la doc. J'aime bien le fait qu'ils aient divisé directement avec les functions components et les class components. Je sais pas s'il y a encore Du des coup. gens qui utilisent les class components. Du coup, effectivement, on va pouvoir. Ouais, c'est ça. C'est transform. Et donc, c'est un array qui va avoir donc translate x, x displacement, Alors. et translate y, y displacement. Attends, je reviens sur mon éditeur. Donc, et je change, je reprends le bon clavier. Pouf. Alors, on a dit, c'est un arrêt. Avec un objet. Attends, il n'a pas l'air content de mon transform, est-ce qu'il parce qu'il me manque une virgule ici. Ok. Un arrêt qui prend un objet. Et là, Translate X. je mets la propriété que je veux changer. Ok. C'est ça. Tu mets Displacement X. Ensuite, displacement x, ok. Et pareil en Y. Je peux juste lui filer une autre clé et il sait qu'on veut faire les deux, quoi. Non, je pense qu'il va falloir que tu crées un autre objet. Deux objets? D'accord, ok. Ok. Ah, mais Instinctivement, oui, je pense que. parce que j'imagine qu'il va prendre d'autres. Il est capable de prendre d'autres paramètres. Non? Oui, non, si c'est logique, c'est dans un arrêt, mais je me demande s'il n'est pas aussi capable de prendre genre des types de easing ou des choses comme ça. Je suis de la merde. On va voir. Oh. Bon, alors c'est un peu laggy parce que voilà, on n'est pas supposé faire ça avec pas supposé faire ça. Et alors ce qu'on peut faire maintenant, c'est on l'a multiplié par 10, mais 10 c'est peu. C'est extrêmement perturbant parce que comme ça bouge pas beaucoup. T'es pas trop sûr de si ça bouge ou si c'est toi qui bouge. Je suis pas bien. On Dans le doute, on va le faire bouger plus. va le faire bouger plus, très bien. Ton displacement, enfin tes Ouais. displacements du coup. Donc le x10 ici, ça va être l'amplitude. D'accord. Donc si tu mets à x20 par exemple. Merci. J'ai raté le message en chat. Merci Yannick Hughes et Suze, pardon. Et bonne soirée à toi aussi. Et dors bien. Et à très bientôt. Waouh! Ah, c'est très trippant. Alors, ce C'est que je te génial. propose, c'est qu'on Je propose qu'on diminue un peu le nombre de colonnes et de lignes, histoire que ce soit Pour qu'il soit un petit peu un moins peu moins prone laggy. de lag. On va le Donc on va se replacer en permettre 12. Oui. 12-24. En 24. Waouh. Et alors Eh du coup, bah, si tu augmentes encore vas-y. ta. Tiens, Ah, désolé. ce qu'on peut faire d'ailleurs, tiens, c'est rajouter dans tes transformes. Sais ce que ça me fait penser? Genre, avant, on était sur les textures de la PlayStation 1, mais alors là, j'ai l'impression d'être sur les économiseurs d'écran de Windows 98. Peu. C'est Alors, incroyable. Ils ce qu'on peut avaient. faire Ils avaient pour. quoi? Attends, je réponds juste. Je lis juste les messages qui sont dans le chat. Elles sont toutes mignonnes comme les filles de Moi, Moche et Méchant. Oh, trop chou. It's so fluffy, I can die. Pardon. Des merveilles en Alsace. Fake news.
Il faut arrêter le Alsace shaming. C'est saut 1939. Une app pour calmer les gens. Bah ça c'est pas mal, hein, franchement. Par contre, ça calme pas du tout mon ordinateur qui est quand même moyennement content. Mais ouais. On peut l'acheter Ouais. encore un petit peu si tu veux. 5 euros la fille, il y a un marché. Bah juste pour leur faire des petites animes, franchement ça. Pardon, bah, dis-moi. Du coup, on peut peut-être encore un peu plus achever ton ordinateur. Vas-y, dis-moi tout. Et on peut rajouter un troisième transform. Ouais. Encore avec du Et noise? alors, il n'y a pas besoin de recréer un nouveau noise. Ce Ok. qu'on va faire, c'est que tu crées un nouvel objet avec scale. Hop. Paf. Et scale, tu vas pouvoir lui passer exactement la même chose que ce que tu passais en opacité. Alright. Je vais peut-être le foutre dans une constante, non? Non? Si, ouais, Si, carrément. si. Comment on l'appelle? Opacity and scale, hein. Ouais. City and scale. Pif. Ah, j'ai pas les bons raccourcis sur les scopes. Là, prends le 2, voyons. Opacity. Scale. C'est à peu près ça. Scale, y a rien qui va. Y a rien qui va. Ok. Et pareil pour le bah pareil pour le scale du coup. Scale. Et là. Alors c'est pas très clair, mais en fait du coup Ah. l'épaisseur va évoluer en même temps que, enfin le scale de Ah tes blocs vont oui. évoluer en même temps que l'opacité. Alors scale, c'est quoi exactement comme propriété? En gros, scale, c'est bah, l'échelle du bloc. C'est-à-dire que D'accord. à 1, il est rendu à sa taille et C'est vrai que en fait avec l'opacité, c'est difficile de voir qui bouge parce que t'as l'impression que juste il devient plus transparent, mais c'est vrai que oh là là. Oh quelle texture, oh quelle saveur. Oh là là, on va pouvoir faire des trucs. Non, je suis hypnotisée. Fais une app pour trouver les doudous et les sucettes, please. Le truc Apple. Parfaite application du. Je sais plus comment ça s'appelle là. Tu sais le truc a sorti Apple pour retrouver ses affaires. Non. Juge. Pardon? Oui, pardon. Le truc Apple pour retrouver ses affaires là. Les AirTags? Les AirTags, voilà. Bah, les AirTags sur les doudous. C'est la seule solution. Ouais, ça, voilà. Nul. Cher, c'est ça le mot que tu cherches. Eh ben, c'est cool. C'est très stylé. Ça sert à rien, mais c'est vraiment très stylé. Après, tu peux en faire plein de choses, hein. C'est la question de trouver l'usage du stylet, quoi. T'as des exemples de trucs qu'on pourrait faire avec le pairing Pour l'instant, faire ça. noise? Nous, on a fait des choses en plusieurs dimensions, mais il me semble qu'on peut aussi s'en servir pour faire des trajets aléatoires. Si, par exemple, si sur mon écran d'attente, là, faut que je finisse, si je veux faire des mouvements de souris, enfin, des faux mouvements de souris en bougeant un élément, mais en étant sûr qu'il arrive à l'endroit où il est censé arriver pour cliquer la fenêtre du starting soon, je En pourrais gros, utiliser ça. ça va être à peu près la même logique que celle qu'on applique là avec les translates. Ok. Et alors, je ne pourrais pas te faire En fait, le... finalement, c'est du noise en une direction. C'est Si je dis ça. pas. D'accord. Enfin, il faudra quand même il faudra quand même un noise 3D du coup pour du X, le X, le Y et le temps. Pour histoire de bien mapper ça dans Ouais. l'espace. Puisque tu auras forcément une notion
tu auras besoin de la notion de temps et tu auras besoin de. Enfin. Oui, enfin, tu auras besoin d'un Max 3D pour ça. Mais en gros, le fonctionnement que toi tu vas vouloir, effectivement, si tu veux faire des mouvements aléatoires de souris, mais qui restent vaguement. Qui vont pas juste faire une souris qui va se téléporter. Ça va Ouais. être un truc très similaire en fait au transform translate X et Y qu'on a actuellement sur chacun des blocs. C'est-à-dire, si admettons que tu ailles sur. Tiens, on va faire un test. Tu remontes tout en haut, si tu mets genre une colonne et une ligne. Ouais. Et que tiens, on va descendre un petit peu. Et qu'on tiens, on va dire que la height et la width vont être à 25 plutôt histoire de bien le voir. Tu remets-le à 50 même. Ah, tu vas peut-être pouvoir enlever le. Bon, remarque, voilà, tu vois à peu près le. Attends, je vais le bouger un peu parce que là, il y a le chat. Je vais le mettre plus gros parce que avec le scale, on voit pas grand-chose. Tu Tu peux m'aides enlever le pas. scale en vrai. J'ai enlevé scale, ok. Mais je En, tu sais. peux enlever le scale, tu peux enlever le scale et l'opacité. Ok, je vais enlever ça. Je vais le commenter. Est-ce que je le trouve cool? Voilà, et pareil pour l'opacité. Hop. Alors, Et là. là, on a un petit truc qui, on dirait qui flotte, on dirait qu'il lévite. Alors ce que tu peux faire du coup, c'est Mais que du maintenant coup, il si peut y tu avoir mets. plus d'amplitude. C'est ça. Parce que là, en plus, il est divisé par 1. Il est trop grand. Donc, on pourrait mettre un truc, donc, de toute façon, c'est des 1. Là, on peut mettre des choses complètement aléatoires, de type, on va mettre, si on Alors non, veut. là, ah, remarque, si, oui. Oui, non, ici, il n'y a pas de, oui, y a pas de souci. Oui, vas-y. Je peux le diviser par 10 si je préfère. Par exemple. Non, enfin, tu peux. Non, j'avais oublié qu'effectivement, on n'avait plus qu'une ligne, qu'une seule colonne. Donc oui, non, il n'y a plus besoin de quoi que ce soit. Alors, si on remplace ça, on a Après, ton amplitude 51. restera. Là, ton amplitude restera la même. Mon amplitude reste la même. Ah oui, attends. L'amplitude, c'est le 20. D'accord. Ça change rien ce que je mets là-dedans? Ah non, ça c'est Ça, à quel point il y a une différence? c'est juste l'endroit où il va aller chercher sa valeur. Ok. Ah oui, sur la grille. Très bien. C'est ça. Mon 200, c'est peut-être un peu exagéré, non? Bon, tu peux, hein, On vas-y, tu vas voir, c'est rigolo. Hein. va voir ce qui se passe. Wow! C'est cool! C'est très Alors, chouette! c'est peut-être pas exactement Alors, le attends, bouton, le mouvement de souris que tu veux, mais. j'ai perdu. Ouais, attends, je rattrape le chat. J'en ai acheté un mis sur le porte-clés et tu l'as perdu. Ah oui, mais t'es pas censé pouvoir genre retrouver justement ton. Enfin, c'est pas ça que ça sert un AirTag. Justement, à perdre des trucs et à les retrouver. Ça n'a aucun sens. Ou alors t'as perdu toutes tes clés ou t'as perdu l'AirTag sur tes clés. Dans quel cas, effectivement, ça ne sert pas à grand-chose. C'est bien pour un bouton sauvé, il bouge plus vite que le doigt, contrairement au bouton annulé qui reste fixe. Alors non, mais ce qui serait rigolo, ce serait justement de faire un. Tu peux faire des boutons qui se déplacent en fonction des mouvements de ta souris. Ça, c'est drôle. Ah, perdu que le AirTag, oui, donc effectivement, c'est effectivement nul. C'est vrai qu'on pourrait faire ça, tu sais, on pourrait faire un bouton qui réagit en fonction du curseur. C'est rigolo à faire Du ça. coup, tu peux faire, si tu veux faire un truc qui réagit en fonction du curseur, c'est que tu peux passer à ton noise le X. Les positions du curseur. C'est ça. Du coup, faudrait quoi? Faudrait foutre un event listener Faudrait un truc effectivement qui te sur. renvoie la position de la souris. Ouais, sur le onMouseMove et sur l'event, tu dois trouver ça. Je pense qu'il y a moyen, je crois, j'ai l'impression que React Native fait ça assez bien. En fait, tout ce qu'on a utilisé là, les touchable highlights et opacity, en fait, il y a une interface touchable où tu peux dire à tes composants qu'ils doivent écouter les interactions.
Allez, je vous laisse, sinon demain ça va être trop dur. Bah écoute, bonne nuit, dors bien et merci d'être passé, Randy. Attends, mais par contre, je reste fixée sur les AirTags qui ne. En fait, c'est de la daube. C'est encore une connerie d'Apple. Je vais me faire insulter par les fans d'Apple, mais. Encore un truc qui coûte trop cher. Et oui, non, sur. Non, SAP, on avait un process à 50 écrans de saisie à la fin. S'il n'était pas content, tu avais le bouton cancel et pas le bouton sauver. Mais là, c'est pas un problème de bouton rigolo qui se déplace. C'est un problème que SAP s'est codé avec les fesses. C'est complètement différent. Mais ouais, non, et du coup, j'ai cru voir qu'avec Touchable, tu pouvais assez facilement récupérer les infos sur les interactions de l'utilisateur. Je me dis qu'il y a un truc un peu rigolo à faire où tu récupères où l'utilisateur a appuyé. Quand il enlève le doigt, ça fait une balle et tu utilises la gravité pour le faire tomber en bas de l'écran. Et puis quand tu pivotes ton téléphone, il roule. D'ailleurs, Avec j'ai pas. l'exemple. Quoi? Mais Non, par t'as. exemple. Enfin bref, rien pour augmenter la gravité, mais on cesse. Enfin voilà. Bah écoute, très cool. Très contente de voir les choses se déplacer tout seul sur mon petit simulateur. Je trouve ça très sympa. Même si je On pense dirait la pire version de Pong de l'univers. que. C'est ça. C'est un très mauvais Pong. Bah écoutez, c'est à peu près tout ce qu'on avait prévu, je crois. Hein. C'est ce qui me À peu semble. près tout ce qu'on voulait faire. En tout cas, moi j'aime beaucoup, beaucoup les petits effets là avec l'opacité et tout, ça me plaît pas mal. Bah, une autre application, ça va être pour animer l'overlay, le joli overlay. Si je passe là. On voit pas trop, mais il y a des. Parce qu'il faut que je bouge ma tronche. Est-ce que je peux bouger ma tronche? Parce qu'en fait, derrière mon overlay, il y a des étoiles. Et on s'était dit qu'on pourrait les générer. Parce que pour l'instant, c'est un dessin, mais on s'est dit qu'on pourrait le générer aléatoirement pour qu'ils s'affichent de façon un petit peu plus random et qu'elles scintillent. Voilà. Un des exemples d'application du Permission Noise. Effectivement. Et maintenant, on va pouvoir faire Tron et gagner un Oscar. Comment ça va dans le chat? T'es-tu bien calme aujourd'hui? Pas trop de. On est tous un peu fatigués. Je pense qu'on est tous un peu assommés par la chaleur. Compliqué aujourd'hui, hein. Concentré sur le code. Je comprends. Tu codes à côté? Ou sur le nôtre? Il fait frais, il y a de l'orage. T'es où, Zaras? Dans quel coin? Qu'on y vienne. Nice? C'est enfin, un peu loin. Un peu loin quand même. Non, là, ça commence à se rafraîchir un petit peu, mais. Mais ouais, c'était bien lourd aujourd'hui. Eh bien, ma foi, je pense que sur le code, on va s'arrêter là. Bah déjà, merci beaucoup, Georges. C'était trop cool. C'est cool de faire le stream avec quelqu'un d'autre. J'espère que ça vous a plu. Et puis aussi, bah parce que du coup, on a pu faire le Perling Noise et c'est quand même vachement plus stylé que mon générateur de Morse. Mais il y avait un Oh, Morse. le générateur de morse, c'était cool quand même. Merci. Merci pour ton soutien. Je pense, je vais peut-être streamer demain midi, mais pas de code. Le Morse était de toute beauté. Merci. Et puis surtout, il faisait Splonk. Avec ses petites. Voilà. Enfin, vous avez compris, quoi.
Je me dis, mais c'est pas encore sûr que je vais peut-être trouver demain. Waouh! Un nouveau follower, bienvenue en tout Paris Web. Par le web. Ah bah, tu es tout à fait dans le thème du coup. Même si aujourd'hui on a plus parlé mobile que web. Sinon, on parle plutôt web. Ouais, demain midi, je vais peut-être faire un stream rapidos parce que j'ai besoin de votre aide. Parce que demain soir, je dois avoir un Q&A sur le métier du dev auprès de gens en reconversion. Donc je me suis dit que j'allais peut-être faire un petit stream pour papoter du métier de dev et de soit pour des gens qui se posent des questions sur pour trouver leur premier boulot de dev, soit pour avoir aussi un peu les retours des gens qui sont dev dans le chat sur comment vous avez commencé, est-ce que vous avez eu sur vos premiers boulots, sur les premiers entretiens, s'il y a des bonnes astuces que je peux leur refiler. Pas que des bonnes astuces d'ailleurs, parce que je pense qu'il faut pas juste leur filer que des trucs ultra positifs, mais leur dire que c'est pas non plus dans la poche. Le dev, c'est l'enfer, tu passes devant le temps devant le Minitel. Oui. Mais j'ai envie de dire, quand tu es comptable aussi, nous au moins on a pu faire ça. Eh, avec Monique de la Ponta. Voilà. Donc je passerai sûrement. Terminale. Oui, on a fait du dev créatif. Donc pour te t'expliquer rapidos, j'avais jamais fait de React Natif, donc j'ai essayé un peu de jouer avec les composants de base de React Natif. On a fait un générateur de Morse pour utiliser le press et le long press, et après on est parti sur. Attends, je vais te montrer parce que c'était cool. Donc ça, c'était à la fin parce qu'on faisait des petits tests. Mais sinon, globalement, on avait un truc assez trippant. Mince. Tac. Mince, qu'est-ce que je fais? On va le repasser à 20. Ah oui, non, mais Je attends, il pense y a que plus tu vas de pouvoir faire stickers. le contrôle Z en vrai, ce sera plus simple. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, tu peux. Oui, voilà, encore en contrôle Z. Yes. On avait un truc. Je sais pas pourquoi il est dans ce sens-là, j'ai dû inverser mes X et mes Y. Mais voilà, on a fait des trucs. L'iPhone est en paysage. Ah, je l'ai laissé en paysage. Il est en paysage quand il est dans ce sens-là. Hein, quoi? Ouh! Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, ok. Donc voilà, on a fait Mumuse, on a fait des trucs un peu trippants et on s'est souvenu des screensavers de Windows 98, c'était cool. C'est le sujet de ta chaîne, le dev créatif, c'est trop chouette. Bah écoute, je viendrai regarder parce que bah, je trouve ça très très chouette. Je suis assez impressionnée de ce qu'on peut faire. C'est un truc que je connais pas du tout, vu que. Moi, je suis une dev web où il faut cliquer sur des boutons, et il faut que ça marche et il faut que l'argent elle change de main. Je rattrape une seconde, j'arrive. Un dev est un créateur. Ouah, ça dépend des devs. Hein. Franchement, malheureusement, j'en connais qui ne sont pas créateurs de grand-chose. Point notable quand tu fais de la technique, c'est dur d'être la tête dans le code et prendre de la hauteur. Ouais. Il faut faire des pauses. J'imagine qu'il faut faire des pauses, ça dépend aussi de la maturité de la personne. Problème, quoi? Quoi? Je crois qu'il a buggé, Bisounours. Quoi? Problème. Puis satisfaction d'avoir vu les problèmes. Je sais pas ce que c'est les problèmes. Un taux. Tu t'en fais en perso du web trop. Ah, trop cool. Alors c'est que des trucs auxquels je connais rien en taux. Mais ça a l'air cool. Je passerai. Vraiment. Et après, je te piquerai des idées peut-être.
Parce que ma grande, le grand but de tout ça, à la base, c'est d'animer mon overlay. Car j'ai des buts très vains dans ma vie qui font de faire scintiller des étoiles. Et quand je ne peux pas les faire scintiller, je les tatoue sur mon corps. Voilà. Une fois que l'on maîtrise une techno, normalement, c'est qu'il est temps de repartir à zéro sur une autre. Et bah, c'est pour ça que je teste React Natif, hein, on ne va pas se mentir. C'est que je m'ennuie. Je m'ennuie en ce moment à faire des boutons qui cliquent. Moi, je veux faire des boutons qui bougent. Dès que je me suis mis à coder, c'est dur de prendre de la hauteur. C'est au CP de mettre la tête hors de l'eau. Bref, plein de choses à dire dans les maîtrises IT. Le chat qui s'est cassé la gueule. Ouais. Après, moi, j'ai pas vraiment de CP, donc en fait, c'est plutôt moi la CP pour les autres devs, mais ça va dépendre. Mais si vous voulez, parce que là, on a deux conversations en même temps, ça devient un peu compliqué. Mais du coup, ce que je vous propose, c'est si ça vous intéresse, plus les conversations sur le métier de dev, on va dire, genre dev life, on peut en reparler demain vers midi et demi, je pense, un truc comme ça, rapidos, pour m'aider à un peu à préparer ce Q&A et cette petite intervention auprès de gens pleins d'espoir pour briser leurs rêves. Et toi, c'est donc Anto, c'est tous les lundis soirs. Ok, cool. Ben moi, c'est plutôt les mardis et normalement les vendredis midi. Enfin, pour l'instant, c'est le rythme qu'on a mis. Quand tu vois que ton PC meurt avec l'animation, l'overlay animé, c'est pas pour demain. Bah, pourquoi pas? Je suis pas obligée. Ah non, mais attends. Zara, juste petite précision, en fait, j'utilise deux ordinateurs. L'ordinateur qui est en train de mourir, c'est mon MacBook Pro, qui est un petit peu vieux, mais sur lequel il y a tout mon interface de dev. Et mon stream tourne sur mon PC de jeux vidéo. Donc, autant te dire que le PC, il n'aura pas de soucis à faire tourner une animation. Je lui fais confiance. On va être bien, bien, bien. Après, j'ai vu que les librairies sur le GPU marchent mieux que le CPU. Sûrement. Mais du coup, c'est toi qui prends la hauteur et qui code, moi non. Tu fais plus du pairing et de l'accompagnement. Quand je suis lead sur un projet, effectivement, je ne vais pas être à 100%. Et après, je me rends disponible parce que. Je sais pas, typiquement cet après-midi. Désolée, je commence à parler comme Josh. Cet après-midi, j'ai un des devs qui bosse sur mon projet, qui se prend la tête sur un truc, qui n'arrive pas à prendre une décision. Donc, il vient m'en parler. Et puis, finalement, c'est prendre le temps de discuter avec lui de pourquoi il veut faire ça, de quels sont les trucs qu'il bloque, de machin, et de juste le challenger sur ce qu'il fait. C'est plus te rendre dispo pour que les gens ils aient un. En fait, c'est être un de qui, un petit peu. Et de toute façon, chez nous, le pair, c'est un peu la norme. Là, on en fait moins parce qu'on est sur une fin de projet, mais sinon, on fait un grand minimum de 30% de pair et plus, surtout avec les juniors. Enfin, un petit peu moins quand les gens ont de l'expérience et qu'ils connaissent bien la stack. Voilà. Mais voilà, on en reparlera demain parce qu'il commence à se faire tard et nous avons du travail demain. Et je vais couper le simulateur parce qu'il commence à m'hypnotiser. Hop là. Et je vais repasser ça. Parfait. Formidable. Et bah, Anto, au plaisir. Merci tout le monde. Merci d'être venu. Merci d'avoir regardé les trucs bouger avec moi. C'était chouette. Bonne nuit à tous. Un grand merci à Georges pour son aide. Bonne nuit à tous. Et voilà, à très vite. Des bisous.